Mesdames et messieurs, on va accueillir Dame Dame qui va entrer sur le plateau pour du Trials Rising. D'autant que je pense qu'on aura un mode Ops. On n'a pas de jingle. Si, petit jingle, petite musique, ça fait plaisir. Tous accélère. Bonjour à toi, bonsoir re. Bonsoir. Bon, tu vois, c'était pas très long. C'était pas très long. Hein. J'ai eu le temps de voir certains amis entre-temps. Et la meilleure épreuve, finalement, la meilleure épreuve de la soirée. Tout à fait. C'est maintenant. Tout à fait. Et puis alors, oh là là, les deux teams, les deux compositions de teams pour le jeu qui vient. Je suis en train de lancer le jeu et il faut qu'on tire au sort les maps. Les tracks, hein, tu veux dire. Bien sûr, avec grand plaisir. Je voulais dire les tracks. Elles sont... Oh merde. On a encore les petits papiers ou pas? Oui, 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 oui. Là, 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 c'est bon. J'ai. Gotcha. J'ai. Ah, okay. Gotcha, gotcha. Hop, c'est pour toi. Allez, salut. Maintenant, je vais essayer de... T'es sûr qu'ils sont là? On aura le mode Ops. Je vais créer la game et tout. Ok. On s'y met. Ok. On le tente. Je tire les... Oui. Alors juste, il faut que tu notes l'ordre quelque part. Enfin, très bien, eh bien, je vais prendre un stylo imaginaire et voilà. Ici, par exemple, et regarde. Un papier. Oh, ça va être noté. Parfait. Parfait. Je vais créer la game pendant ce temps-là, mesdames et messieurs. Dame Dame va tirer les maps. Trails Rising, jeu de moto, hein, je le dis au passage. Jeu de moto, on arrive. Alors, on arrive. Évidemment. Attention, première piste. Ok. Ah. Féotis. Féotis. Est-ce qu'ils entendent? Ils entendent pas? Non, s'il y en a un qui entend. De toute façon, ils verront en entrant dans le lobby. Féotis en 1. Ensuite. Vietnam Volt en 2. Voilà. Vietnam Volt. 1. Hein, enlève deux. Ton casque si tu veux entendre. Attends, je regarde pas. Je regarde pas. Merde. Ok. Je crée la guerre. Ensuite, j'arrive. Pressure en 3. Une des pistes les plus techniques. Ah ouais, c'est bien, tu l'as. Ouais, 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 ouais. Oui, je les mets dans l'ordre comme ça. C'est super, ça, c'est super. Pressure, attention, je ne regarde pas. Hop. Chicken Land. On retrouve, comme tout à l'heure, Pressure et Chicken Land, donc deux des pistes les plus techniques de cette Z-Lan. Je continue à tirer, c'est combien? 4? 5? 6. 6, ok, parfait. Donc, on continue. Excuse-moi, j'ai mis un peu de temps à réagir. Il est un peu tard, c'est excuse-moi, vrai. Excuse-moi, pardon. Je dois l'avouer. Ensuite... Underscore qu'on n'a pas encore vu. Dans ah, cette c'est vrai, ça c'est bien. Une piste qu'on n'a pas encore vue. Ça fait vu. Plaisir de voir des maps très, qu'on n'a pas cool. encore vues. Et la dernière piste, attention. Je n'en regarde pas. Pourquoi ça marche pas? Et. Oh, c'est bon. Dernière piste. Thousand Cloud Village, le village aux mille nuages, pareil, une le piste. Le village aux mille nuages, c'est vrai, une village map qu'on n'a pas vue. Voilà. Donc Underscore et Thousand Cloud qui sont eh bien, deux pistes qu'on n'a pas encore vues. On a donc deux pistes très j'arrive techniques. Je n'arrive pas à trouver Vietnam Volt, je vais péter les plombs. Tout va bien, tout va bien. Mais si, si, tu vas trouver. Donc voilà, on a donc Féotis et Vietnam elle Volt qui sont relativement médiums. Ce sont des pistes qui coulent assez bien. Okay, c'est bon. Pas d'énormes cuts dessus, on est vraiment sur de la technique, de l'optimisation. Peu d'airtime, ça passe bien, on les a déjà vus tout à l'heure. Ensuite, on aura Pressure et Chicken Land, deux pistes extrêmement techniques, des lignes de course parfaitement, très intéressantes. Pistes d'ailleurs qui ont été créées pour la Z-Lan par des joueurs français. Et on terminera avec Underscore, elle aussi, donc piste créée donc, par un joueur français. Je crois que c'est notre ami Tequila X ainsi que Thousand Cloud. Donc ça, c'est une piste du mode carrière. Je sais. Beaucoup plus médium dans la difficulté, beaucoup de grosses vitesses. Piste qu'il est possible de faire d'ailleurs avec la fameuse Rhino et la Mantis. Le temps que notre ami Zerator finalise... me battre avec le jeu, mais tout va bien. Ouais, bien sûr. Je suis bien, j'invite les joueurs et on peut partir. Eh bah pas de soucis, allez, le temps peut-être juste de rappeler les deux types de motos qu'il est possible de jouer, parce que là, ça va être intéressant, on a des pistes qui sont mieux avec la moto 500 cm3 et l'autre 250, donc c'est la différence qu'on a entre la Rhino et la Mantis. La Rhino a une bien meilleure vitesse de pointe, beaucoup plus stable, beaucoup plus lourde à manier, un frein qui est un petit peu moins prononcé, et la Mantis qui est extrêmement, au niveau de son accélération très nerveuse, okay. Un peu plus légère, un peu plus maniable, mais par contre, s'il y a des grosses trajectoires, beaucoup plus lentes. Donc on verra ce que les joueurs vont sélectionner. J'ai invité les joueurs, donc évidemment, aucun n'a rejoint pour l'instant. Oui, non, ça sûr. C'est normal, puisqu'ils s'en foutent, mais une fois qu'ils auront rejoint, eh bien, nous pourrons lancer cette partie, le lobby, et créer « Rejoignez la game !» Voilà, je pense que là ils ont entendu au cas où, et comme ça on va pouvoir enchaîner. J'ai sélectionné les maps, voilà, c'est en train de rejoindre ils la game tranquillement. Jouer avec leur émotion. Le call a fonctionné, donc
Donc Feotis Vietnam Volt Pressure Chickenland Underscore et Thousand Clouds Village. Ah, c'est vraiment cool parce que les deux dernières sur les 6 sont les pistes qu'on n'a pas encore vues. Oui, exactement. Donc, et en plus, on verra les 6, il n'y a pas d'histoire de on joue les points, machin. Donc, Et sur cette histoire donc, de différence de moto dont je vous parlais, globalement, Vietnam Volt et Thousand Clouds, je pense, sont mieux peut-être à la Rhino. Tout est faisable à la Mantis de toute façon, mais il faut savoir jouer de façon risquée, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Tout à fait. Un petit mot quand même sur le niveau global des joueurs. Et là, c'est la régalade. C'est la régalade. C'est la régalade parce qu'on a donc à notre droite la Team Cake qui ont tous les trois un très bon niveau. C'est vrai. Et on parlait tout à l'heure. Et qui ont poncé le jeu. On parlait tout à l'heure de la patrouille de France, ils sont toujours quasiment collés sur Trackmania. Et ben figure-toi que sur les ranks Trial, c'est quasiment pareil. Mais non. Si, si, ils sont vraiment à... globalement, c'est les mêmes tranches, c'est les mêmes types de médailles. C'est le même joueur. C'est les mêmes tranches de timing qu'ils font. Okay. Peut-être qu'Alain est un peu moins fort que Étoile et Kenny, mais franchement, à très très peu. Il maîtrise vraiment. Avoir en régu, voilà, tout à fait. Hein. Et ça, on l'a vu plus d'une fois, pareil. Mais pas en time trial. Donc encore une fois, les trois sont quand même très chevronnés et ont un niveau très semblable. À notre gauche, la team, c'est celle qui contient notamment ce que j'appelle le French Monster, mais le vrai cette fois-ci, c'est-à-dire Leaf qui détient pour l'instant certains des meilleurs temps des tracks Zilan. Mais Slide est aussi très fort. On parle souvent de Leaf, mais Slide est pareil, très très pas. De toute façon, il n'y a aucun mauvais joueur dans cette équipe. Ah non. Quels que soient les jeux, même. Et même Skyheart, qui il y a encore 2-3 semaines était un petit peu en dessous au niveau de son level, il a vachement step up. Et maintenant, on a une team avec donc deux énormes joueurs. Et un Skyheart qui quand même, pour peu qu'il joue régu et qu'il tente pas les cuts de folie, il pourra peut-être compenser les potentielles erreurs soit de Kalen, soit de peut-être Étoile par exemple, qui tentera des choses improbables et qui peut-être choquera. Encore une fois, je vous rappelle que dans Trials Rising, le jeu auquel on va jouer, même si vous arrivez par exemple en avant-dernier et que du coup vous placez un joueur dernier, il fera des points quand même. On n'est pas dans Trackmania où il est nécessaire de finir la course pour faire les points. On aura les points quand même et on jouera à l'addition de tous les points sur les 6 courses, bien évidemment. Voilà. Avec 5 rounds aussi. Oui, tout à fait. Oh, voilà, c'est ça. 5 rounds normal, 30 rounds. C'est une trentaine, quarantaine de minutes en tout, voilà, pour l'épreuve. Et voilà. Eh ben écoute, on me demande mon pronostic, alors c'est très dur. Hein. En fait, c'est le même problème que le match en demi-finale où il y avait Bren, tu sais, dans une équipe, d'autres très bons joueurs. Fais peut-être avec le pronostic théorique avec les temps du leaderboard. Pronostic théorique, ça serait la SSL. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Ça serait la SSL. C'est ce que je pense aussi. Voilà. Mais encore une fois, grind pendant des heures du time trial et sortir un excellent replay, c'est quelque chose. Savoir réellement jouer et régu, peut-être sans forcément prendre tous les risques, tous les cuts, c'en est une autre. Alors, est-ce que peut-être Leaf et Slide sont assez chevronnés pour le faire? Je l'espère. Et oui. Ah, je l'espère, ça serait un régal absolu. Mais encore une fois, ne pas sous-estimer la Team Cake et leur régularité. Clairement. Et surtout le fait qu'ils fassent des temps tous les trois très semblables. Ça se voit qu'ils se sont beaucoup entraînés ensemble. C'est vrai, ils ont même bootcamp toute la semaine juste avant. Oui. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que... j'ai pas assez parlé le match d'avant, du coup ça y est, ça repart. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas. C'est un muscle, il faut le chauffer, évidemment. Non, j'allais dire que tous les streamers ont adoré découvrir le jeu. Ça, c'est quand même un truc assez globalement, unanime. Ça avait l'air. Tout le monde disait, ah ouais, quand même, on a adoré découvrir Trials pour grand plaisir. L'humanité se réveille enfin, ils découvrent la voie. La voix du deux roues, la voix du gameplay 2D. La voix du deux roues. La voix du gameplay 2D, en fait, tout simplement. C'est vrai. Alors même si, bon, c'est pas un jeu en 2D, mais... Voilà, c'est un jeu en 3D, mais avec un gameplay 2D. Et voilà, s'il faut meubler encore un peu, moi, il n'y a aucun souci. J'en profite pour faire un big up. Ouais, si c'est possible. Vas-y, je t'en prie. Voilà, alors il faut meubler. Alors moi, je vais faire des big up à la communauté Trial. On attend les joueurs. Et notamment Shin Phoenix et Champy, qui sont les deux personnes qui ont rassemblé la team de builders, qui ont créé les pistes Zilan. Là, on va en voir plusieurs. 4 sur 6, là, qu'on va voir sont des pistes Zilan qu'on a créées. On n'aura pas la streamer room, malheureusement. Ah, pas la streamer room. Mais on l'a vu tout à l'heure, donc c'est cool. C'est cool. Et voilà, et donc parmi les builders, eh bien, on a Dragon Mickey, Champy, Steph59, Poirot, Kylie Man, Katin, Cronamb, Tequila et Ramchandra, a priori. Cronamb, Tequila. Ouais, Cronamb, Tequila, mais il faut savoir. Il y a des thèmes. Les joueurs de Trial sont des bons vivants, ils sont tous adultes et consentants. Bien sûr. Et ils sont dans la modération, et c'est ça qui est bien. Le consentement, c'est important. Voilà, bien sûr. Donc certaines de ces pistes ont été faites à plusieurs. Pour certaines, notamment, je crois que c'est Underscore, hein, c'est vraiment.
Ok. C'est vraiment que Kylie Mann, par exemple, je crois, qui a bossé dessus. Si je ne me trompe pas, pareil pour Pressure. Hein, donc deux pistes. Non, c'est oui, Tequila pour Underscore. Et Kylie Mann pour Pressure. À noter que Kylie Mann, Dragon Mickey et. Eh bien, j'ai oublié le troisième. Mais en tout cas, dans cette team que je viens de dire, et on a trois personnes hein, voilà, qui ont bossé sur le jeu. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça prouve en fait pourquoi ça a été à eux qu'on a demandé de faire les pistes. Et pas à notre ami Zerator, eh bien tout simplement. Ah non, mais moi, de toute façon, je n'ai jamais prétendu pouvoir mapper ce jeu. Oui. J'ai tout de suite compris que ce serait un peu complexe. J'avais essayé l'an dernier en faisant Golf It. Quelle erreur. Oui. J'avais passé, je crois, 43 heures à faire une seule carte. Elle était en plus, elle était ce qu'elle est évidemment, mais c'était un peu. Il y avait une bonne ambiance, c'est ça. Non, mais elle était cool, j'étais satisfait de cette map, mais je veux dire, j'aurais pas pu faire un pack de map comme on peut faire sur Trackmania ou quoi. Et d'ailleurs, voilà. En termes de création de pistes sur Trial, fun fact, ouais. Tout est créé à la manette sur Xbox One. Ah oui, et oui. C'est vrai que tu m'avais dit ça. Parce que la version Xbox One, c'est la version la plus optimisée, en fait, c'est la plus stable, la plus optimisée, c'est la mieux. Et avec surtout l'éditeur du jeu qui permet de faire les tracks de la campagne aussi. Voilà. La totalité du jeu a été faite avec l'éditeur qui ça, est disponible marrant. Dans le jeu. Donc, voilà. C'est dingue. D'ailleurs, les pistes les plus dures, certains builders s'amusent à isoler des checkpoints pour faire une piste qui est que le checkpoint compliqué, par exemple, d'une piste. Ah bon, permet pourquoi de s'entraîner, ah oui, ça oui, permet d'accord. De s'entraîner dessus à l'infini, par exemple. Pour s'entraîner dessus, ah, ok. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait voilà, il Qu'est-ce qu'il fait Il est en train de checker son compte, hein, PayPal, je crois. Ça relance. Non, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. On me dit des problèmes serveurs, ils ont dû relancer le jeu. Tout va bien. On attend Khaled, mesdames et messieurs. Et ensuite, on va pouvoir lancer ce match de Trials Rising. Ouais, on commencera avec Féotis, la fameuse piste avec les champignons géants dans le décor, les portails de téléportation. Tout le monde est là. Tout le monde est là. On est prêt. Ah bon. Qu'est-ce qu'il dit? Certaines tracks n'ont pas plusieurs rounds. Oui, non, c'est bon. C'est, effectivement, tu as raison. Ah. Il a raison. Tout va bien. Il avait raison. J'ai fait de la mauvaise préparation de cartes. Et c'est pour avoir le mode Ops. Là, du coup, tu vas pouvoir switcher d'un POV à l'autre. J'arrive. Ah, tu veux dire que ça. C'est bon. C'est bon. On c'est est prêt bon. On relancera pas, les gars. 3, est-ce 2, 1, c'est parti. De toute façon, il faut qu'on entre dans le jeu et tout. J'ai dit 3, 2, 1, mais ça ne les lance pas. C'est... Quoi? Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Non, quoi? Quoi? Problème? Non, non. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il a mis son coude sur le clavier, ça a fait Alt F4. Non, 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 il a pas fait ça. Il a pas fait ça. Non, non. Me dis pas qu'il a fait ça. Oh, il a fermé le jeu manuellement. Pourquoi? Ah putain. Moi, j'ai dit ça pour déconner. Je vais casser un truc. Je vais casser ce gobelet. Au secours. Au secours. Calme-toi. Il est cassé. Ça y est. Je vais casser. Passe-moi une bouteille d'eau. Je vais. Je vais casser quelque chose. Tiens, tu veux de l'eau, pardon. Ouais, je veux bien, ouais, vraiment. Ah, vas-y, je t'en prie. Yes, merci beaucoup, c'est très gentil. Faut que je resélectionne les maps. Non, non, vas-y, je le fais. Non, j'ai plus rien à foutre. Laisse-moi. J'en ai plus rien. Laisse-moi tranquille. Alors. Je vais m'en occuper. Ok, ajoutez la piste. C'est parti. J'ajoute les maps. Fétis. Tu as une chaleur, je crois qu'ils ont coupé la clim. Oh, merci, on va perdre que 10 minutes. Ça va bien se passer. En vrai, c'est propre, seulement 10 minutes. Seulement 10 minutes. Ok, maintenant. C'est pour mettre, bien évidemment... En même temps, c'est cool parce qu'on avait de l'avance sur le planning. Tout ceci est contrôlé, hein, c'est fait pour le mind game, pour déstabiliser les adversaires. Ah, n'oublions pas que la Team Cake, tout à l'heure, a eu un problème sur Trackmania. Donc là, SSL a compris ce mind game. Ils sont en train de tout saboter de façon à saper le moral des cakes. Effectivement. Bien sûr, c'est comme ça. Tu as raison de le dire. C'est comme ça que c'est ça une fonctionne. Belle stratégie. On avait même eu une coupure de courant volontaire provoquée par une équipe tout à l'heure, en début de journée. Ouais. Des images graves. Hein. Ouais, des images graves. Heureusement, vous n'aviez pas le live parce qu'on a dû séparer les joueurs et tout. C'était vraiment. Des images graves, mais il y a pire, il y a du 40-0 sur Quake. Alors. Oui. Donc, Trials Rising, hein, bien sûr, dernier épisode de la série, une série qui commence à dater. Hein. Les premières versions étaient en Java puis en Flash. Je suis. J'ai des APM pour tout refaire là. Ouais, c'est prêt. Ah, c'est prêt déjà? C'est prêt.
Ah, mais tu masterises. C'est bon. C'est parfait. C'est prêt. Allez. Ah, je veux pas que ce soit ma faute. Ah non. Alors. C'est prêt. Bon, faites pas le TF4, hein. Ah non, non. C'est bon. On attend Kenny, on attend Étoile. Qu'est-ce qui se passe encore? Je vois deux techniciens. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Alors. Ça m'a l'air d'être bon. Il manque Kenny. Kenny qui va arriver. Moi, je crois qu'il manque Kenny. Oui, c'est ça. Kenny qui est en train de d'ajouter en ami. C'est bon, il arrive. Ses parents, parce qu'ils vont join la game. On est bon? On est bon? Allez, c'est parti. C'était un faux départ. Merci à tous. On y va. Allez. Non, mais je tiens à dire que j'en ai pas du tout marre de ce Dylan ou quoi. Hein. Ah moi, non, je me régale et je peux y passer une semaine. C'est juste que quand c'est lié à un problème technique, j'aime pas. Bien sûr, voilà, j'aime pas. La technologie, c'est bien quand ça marche. Moi, voilà. j'aime bien quand les choses se passent. Et... C'est comme les cuts sur Trial. Tu penses gagner 5 secondes et tu te manges un faceplant. Ah ouais, moi, Dylan, une semaine, si vous voulez. Hein. Et y a pas le budget. Alors, on y va. Et bah, du coup, Spec Mode, c'est ça. Spec Mode qui, du coup, plante avec des textures qui n'apparaissent pas à l'écran. C'est magnifique pour. On va regarder le slide, on va essayer de regarder le premier, ok? Allez. Slide, du coup, très très bon niveau. Ouais, non, mais là, ça va être. Ah ouais, d'accord. Okay, ouais, voilà, c'est web, ah oui, d'accord, c'est-à-dire que le Spec Mode, c'est ça. Que le Spec Mode. Cela dit, on a des POV à récupérer. Hein. Et bah, peut-être qu'on va passer sur les POV. Ouais, j'avais oublié. En fait, ça va dépendre des maps, mais il y a des maps où les trucs s'activent. C'est pas un jeu fait pour les sports. D'ailleurs, hein. Slide qui a raté le. On va nous préparer une petite POV. 1,50. Mais peut-être même en full screen, hein, à mon avis. Oh, moi, l'un ou l'autre, tu sais. En full screen, Kalen ou Leaf. Du trial en finale à la Zilan. Tout ça pour ça. Putain, tout ça pour ça. Calme-toi, respire. J'ai cassé quelque chose. Tu veux un sac en papier pour respirer dedans? Pour vomir. Non, bah non. Si tu vomis, t'as ta carriole. Tout ça pour ça, bordel. J'en peux plus. Tu vois, la victoire de Leaf. Il n'y a aucun problème. Kalen en 2. Kalen et Kenny 2 et 3. Étoiles en 4. On est sur le point de vue d'étoile. Si ça se trouve, Kalen, si ça se trouve, les textures vont charger entre temps. Moi j'y crois. Tiens, regarde, cette texture n'apparaissait pas tout à l'heure. Par exemple. Ah, mais on est en point de vue joueur là. Ah oui, ça va très bien. Bon, alors tant mieux. Mais au point de vue de Kalen, voilà, tout charge très bien. Alors, on n'aura pas leur son, par contre, faut pas déconner, on peut pas tout avoir. Le beurre et l'argent du beurre. Sauf si on récupère le son de mon ordinateur. Oh là. Ah, ça, ce serait pas mal. C'est des démarches, c'est des démarches. Je me mets sur la même POV. Non, écoute, je me permets de caster le temps que tu récupères. T'en prie, vas-y. Voilà, on a du slide, hein, globalement, des slides, voilà, notamment ici, en tout cas, c'est essayé. Les portails de téléportation qu'il faut prendre avec une bonne inclinaison de moto pour pas se retrouver en faceplant à l'arrivée. Toujours bien se pencher, bien évidemment, sur l'avant de la moto. À la fin, alors que les fins sont plutôt rapides. Hein. Là, globalement, Leaf qui a été suivi de très très peu. Oh, non, un skin Zilan, tiens, ça fait plaisir d'en voir quelques-uns. Ils n'étaient pas très chers. Oui, tout à fait. Avec la monnaie du jeu. Hein, c'est le joueur Puppet Masta, d'ailleurs, qui a fait les skins officiels de la Zilan. Merci à lui. Oui, parce qu'il y en avait d'autres, quelques skins non officiels. Moi, j'avoue, j'avais fait un mix. Oui, j'avais fait un mix. C'est le partage. Quand on dit skin officiel, c'est voilà, c'est pas non plus. Non, ça s'achète. Et ça s'achète avec les points qu'on gagne dans le jeu. Hein. Ne dépensez pas d'argent, enfin, sauf si vous en avez très 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 envie. Ou que vous en avez beaucoup. Ou que vous en avez beaucoup et que vous ne savez pas en faire. Kalen et Slide, du coup, pour ces deux-là. Ouais, c'est pas mal. Et le début, on a pour l'instant presque une synchro là, sur le premier. Très léger avantage de Slide avec ce long front flip, ou pas d'ailleurs, hein, si tu fais un petit air squish, ce qu'on appelle un air squish, hein, c'est les espèces de micro bunny hop, hein, gauche-droite que tu fais en l'air, ça peut te faire gagner quelques centimètres. Le flip, malheureusement Slide qui ne réussit pas à passer par le portail de téléportation aérien, il est obligé de passer en dessous, et du coup, petit avantage pour... La Team Cake, et on a, oui d'ailleurs, top 3 Team Cake là. Mes chers amis en régie, je pense que pour ce jeu, on peut rester en full screen. Hein. On aura assez peu d'intérêt à voir les deux écrans séparés qui nous réduit la vision. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur leur téléphone portable sous leur couette à cette heure-ci. Donc on peut rester en full screen, chers amis de la régie, merci à vous. Donc là, voilà, à l'instant, on a eu une piste. Top 3, c'était les 3 de la Team Cake. Ouais, les 3 de la Team Cake. Ça fait plaisir. En régu, effectivement, avec des émotes SSL dans le chat, chacun... à des supporters précis. On y retourne. On est sur le POV de Étoiles. Bah, t'as le pseudo de toute façon. Ouais, bien sûr. Mais au début, tu sais, ça clignote. Ouais, parce que les gens ont quelques millièmes de seconde.
Et globalement, même ça se voit au niveau des ghosts hein, qui sont derrière lui, globalement, tout se sert. Mais c'est vrai que là, il toilette très bien le long front flip qui lui a permis de passer au-dessus. Pas trop d'air, ça a tapé un petit peu, mais c'est pas trop grave. S'il réussit bien son entrée dans le dernier portail, ça peut le faire encore. Je pense que ça va se jouer à très, très, très peu. L'atterrissage était oui, mais... il a perdu un petit peu de temps sur la fin, c'est pas trop grave. Leaf et Slide, du coup, les deux premiers, et Toilette, c'était troisième. Est-ce qu'on a... Ah oui, voilà, et puis on a en haut à gauche le classement. Score. Le score qui avance au fur et à mesure. Score qui va être mis à jour. 56-52 pour l'instant, c'est extrêmement serré. Pas de soucis là-dessus. Donc là, tout peut se passer, ce n'est que la première piste. Piotis d'ailleurs qui a un world record, j'ai noté quoi, 30 secondes 9. C'est vrai que la diamant est à 33,5, donc globalement si tu régues entre 35 et 37, c'est quand même du bon temps. Hein. Faut pas non plus... Mais tu vois là, ça m'intéresserait de savoir combien de temps ils mettent à chaque run. Et ouais, bah, moi aussi. Mais si seulement j'avais travaillé sur le jeu, j'aurais pu mettre cette feature. Oui. Mais elle arrive, le DLC temps va arriver. DLC du temps, la on salle rappelle. Du temps, on va l'appeler. Ah, ce serait pas mal. Oui. DLC salle du temps, hop, salle du temps, ils mettent le temps. Écoute, ça sera toujours moins pire que l'Awesome Max qu'ils avaient sorti sur Trials Fusion avec des licornes multicolores. Hein, ils avaient sorti ça. Et pourquoi pas? Un sacré délire. Oh hein, Red okay, Lynx, okay. Ouais, c'était Just. J'ai cru qu'il allait rater Just, le mais je pense que tout le monde portail. L'a pris. Regarde la vitesse avec laquelle ça se... Étoile. 3-4. Ouais, c'est Kalen qui a été dernier, ouais, malheureusement. Skyheart, Leaf, ouais, globalement, hein, tu vois, SSL, là, ça commence à... il commence à prendre une légère avance, même si 69-75... Encore une fois, tout est à jouer, surtout que les pistes les plus dures ne sont pas encore là. Et ça voyez, va être... voyez, entre le premier et le quatrième, on a déjà les points divisés par deux. Ouais. Donc c'est pour ça que les positions comptent peu quand on est dernier, mais quand on fait 1, 2, 3, clairement, là, il y a des grosses différences de points. Complètement. Oui, complètement. Et puis, d'ailleurs, on passe sur Vietnam Vault, une piste officielle cette fois-ci. Oui, piste de la campagne officielle du jeu. Campagne officielle, c'est une piste médium, facile médium, je crois, hein, à peu près. Donc médium, là, ouais, médium. Pas de gros cut, on est sur de la trage, on est sur de l'airtime qu'il faut minimiser le plus possible, notamment sur la partie qui va suivre. On a d'ailleurs des joueurs qui jouent plutôt Mantis, ouais, ça a l'air d'être ça, plutôt Mantis. Ah, un peu trop d'airtime là, par contre, sur le CP5. C'est pas forcément trop grave, en fait, il y a tellement à gratter, voilà, c'est bien, il a bien levé l'avant de la moto pour passer par-dessus le haut de la bosse. Ça lui permet de faire une très très bonne attaque pour le CP qui a suivi. Il va y avoir le flip arrière du CP10 qui est un flip obligatoire. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, je rigole, ça me tue. On a le son de mon PC en spec mode avec juste aucun bruit des moteurs parce que le son des moteurs bug de temps en temps et des criquets qu'on entend à foison. Quoi? Je suis désolé, ça me fait très rire. Parce que ça, c'est le son du spec mode que t'as dans les oreilles actuellement. Et de temps en temps, on a... c'est les moteurs. Non mais, c'est un jeu qui... ça me régale. C'est un jeu qui va bientôt être fini, y a pas de soucis. Kalen qui finit, mais on l'a Slide Leaf. Enfin, tu vois, encore une fois, Slide Leaf, hein, juste à côté les uns des autres. Et Toilette et désolé. Kenny. Oh, ah, je suis désolé. Je te pardonne, je comprends la fatigue. Et pour le coup, voilà. Je peux bruiter à la bouche, si vous voulez. Écoute, y a pas de soucis. Sur Trackmania, c'était plus toi. Je te laissais un peu parler également. Non, mais je suis désolé. Là, pas de soucis. Non, mais on est là pour la beauté du sport. Vous êtes chez vous, comptez sur moi de toute façon pour vous expliquer techniquement. Ouais, mais heureusement que t'es là, dame. Ce qui est intéressant, voilà, y a pas de soucis. Et ça part. Ça part sur des accélérations bien sponsorisées sur l'arrière. Maximiser l'adhérence de la roue arrière. C'est ça qu'on essaie de rechercher. L'appareil, la petite bosse qu'il faut surtout pas se prendre. Pareil, là, voilà, l'amorce du CP5 sur lequel il faut absolument pas de vitesse. Là, mutez-moi en régie. Ça lève l'avant. Elle est un peu trop loin, la Kalen qui a atterri un petit peu trop tard sur l'amorce de la double côte. Mais encore une fois, pas forcément dernier, au contraire, les ghosts sont tous en train de se suivre. Il est tellement possible de remonter toute une poule juste en optimisant 3-4 airtime là-dessus. Parce que beaucoup de grosses pentes, beaucoup de côtes, et t'as l'impression que c'est une bonne idée d'accélérer à fond quand t'arrives en haut d'une côte. Sauf que ils l'ont vraiment muté. Oui, tout à fait. Vésirator. Re à toutes et à tous. C'est bon, ils sont arrivés. Ils m'ont vraiment muté. Et c'est Leaf, du coup, qui remporte cette manche. J'en ai profité pour prendre une arme.
petit peu de lidocaïne, hein, mesdames et messieurs. Pastille pour la gorge, sans ordonnance. Bon, pour les points, parce que je fais le cake, évidemment. Je fais le cake et le clown, mais c'est ultra serré, hein, comme match. On a 104 à 112, Team Cake contre Team SSL. On avait dit qu'SSL était assez favori. Donc on espère voir Cake remonter, pas de match. Selon les ranks, les SSL étaient favoris, mais disons que c'est 104 à 112, ouais, c'est vrai que ça se joue à que dalle. Hein. Et si ça se trouve, hein, s'ils maintiennent, parce qu'il y avait déjà à peu près cet écart-là sur la première piste, s'ils maintiennent ça jusqu'à la fin de la sixième, ça veut dire que jusqu'au dernier round, il sera possible d'inverser ou peut-être même d'égaliser. Tout à fait. On rappelle que sur une map, on peut faire 60 points avec une équipe si on fait tout le temps premier et l'équipe tout le temps dernière. Donc 60 points d'écart, ça se joue même jusqu'à la dernière map. Y a beaucoup de points à gagner, y a pas de souci. Allez, alors que... On est sur Leaf. Alors qu'on est sur Leaf, ouais, pour une fois. Donc là, tu vois, Leaf 5ème, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe, il a choke. Pas du tout, c'est juste qu'il a peut-être pas trop pris de risque sur les premiers airtime. Et là, il peut encore largement remonter un petit peu, sachant que ça se joue plutôt entre Slide et Kenny là pour les deux premières places. La côte. Traîner un petit peu à partir de 16. Ah, malheureusement, et c'est le problème, c'est le fait de. En voulant ne pas faire trop d'airtime, et bien finalement, tu te retrouves des fois dans des situations où tu n'as pas assez de vitesse. Et ça te fait complètement. et ça te fait. Ça fait que tu te bonques. Voilà. Pardon à tous. Tu te bonques. Et c'est un vrai problème. Bon, c'est pas la piste la plus intéressante d'un point de vue technique, mais beaucoup de petites optimisations. Pas mal, mon bruitage, non? Oh, oui, oui, oui. Il était on point. Moi, j'ai bien aimé le... avec le cri à la fin, effectivement. Oh, je fais avec ce que j'ai. Hein. Tout à fait. 131, 121, c'est ce qu'il faut faire. 10 points d'écart seulement. Considérable écart, mesdames et messieurs, avec ici la vue de Kenny qui va partir sur son front flip. Kenny, d'ailleurs. Pardon. Ouais, Kenny qui pareil, hein, bon joueur, encore une fois, Trackmania, très intéressant, on l'a déjà dit, hein, mais très intéressant de voir que beaucoup de gens qui maîtrisent pas mal Trackmania ont très très rapidement progressé sur Trials. Et d'ailleurs, plusieurs personnes de la communauté les ont aidés. Hein, on a vu des vocaux se créer sur certains streams, notamment Phoenix et même GT4 aussi. Ouais, GT4 très présent. Ah ouais, GT4, le boss qui a beaucoup aidé. Qui a coaché Clash également, hein, pas l'oublier, Clash Sama qui est un joueur ninja. Parce que c'est vrai que ça, ce sont les difficultés officielles du jeu, hein, ça va de facile jusqu'à extrême, mais après, il y a le bloc, l'arc ninja. Et l'arc ninja, c'est un petit peu comme cet arc supplémentaire d'un animé qui voudrait pomper le système jusqu'à la moelle en se disant, tiens, et que sont-ils devenus 15 ans après ? Les jeux à licence. Et on se dit, est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Eh bien, en l'occurrence, oui, parce qu'il y a vraiment, des joueurs ninja qui sont spécialisés dans ce domaine. Et là, on est sur bien au-delà donc, de l'extrême. Ninja étant un niveau qui va de 1 à 9. Ouais, alors, on en parlait la dernière fois, tu disais même les niveaux, déjà au-delà de 3-4, ça commence à être délirant. Oui, non, mais à partir de 5, globalement, c'est des aliens, hein, concrètement. Mais on a des aliens en France. Et voilà. Oui. Et Clash Sama voilà, fait partie des aliens qui font, par exemple, du ninja level 6-7. C'est vrai qu'on dit souvent que quand un jeu a peu de joueurs, il n'a pas vraiment de niveau de jeu. Et pour Trials, pour le coup, il y a quand même beaucoup de niveaux malgré la faible population de joueurs. Et pourtant, dès la sortie de Trials HD, il y avait déjà beaucoup de joueurs français à l'époque. Donc la communauté a toujours été très présente et beaucoup de très bons joueurs. Ça, franchement, ça fait plaisir. Il y a une communauté, il y a un forum, il y a un Discord officiel d'ailleurs, Trials France. N'hésitez pas à checker ça. Alors que Kalen, Vietnam Vault. On est sur Kalen en 5ème position. Kalen. Avec, vous avez vu les scores tout en haut à gauche. Ouais. Si vous n'arrivez pas forcément à suivre tous les points, on est à 156 à 168. Ouais, c'est un truc de fou. C'est tellement peu. C'est hyper serré. Ah, mais 12 points de différence. Ah ouais, c'est hyper serré, mais pour l'instant, SSL maintient le cap. Ils arrivent à maintenir l'écart. Et là, on est sur des pistes globalement faciles. Alors ça, pour un bon joueur, c'est ce qu'on appelle une piste quand même assez facile. Oui. Même si, évidemment, il y a beaucoup d'optimisation à faire. Souvent, les médailles diamants sur les pistes un peu faciles comme ça, avec beaucoup de trage, eh ben, c'est souvent les diamants qui ne sont pas évidents. Parce que, voilà. Oh là là, d'ailleurs, on a failli voir le choke, mais il a préféré respawn une troisième fois Kalen en difficulté sur ce checkpoint. L'amorce du CP16 qui a été compliqué pour Kalen. Et ce n'est pas la première fois. Et pourtant... Voilà, il réussit quand même et Skyhard peu de temps après. Ah ouais, c'est ce que j'avais dit, hein, tu vois, Skyhard peut-être et Kalen qui étaient un point un moins peu fort en dessous que les autres. Quoique ça aurait dû. Mais là Étoile et Kenny qui ont fait 16 points en tout. Alors que seulement 13 pour Slide et Leaf, donc ça va permettre de remonter encore un petit peu. Ouais. Et réduire puis, un petit peu cet écart.
Complètement. Et puis, dernière manche, là, du coup, sur... Ouais. Non, c'était la dernière manche. C'était la dernière manche. On change de trial. Ouais, on change de track, pardon. Tout va bien. On change de trial, énorme. Pressure buildée par notre ami Kylie Mann, qui a bossé sur le jeu. 12 points d'écart. Je me demande s'il n'est pas belge, tiens, d'ailleurs. J'étais sur le point de dire qu'il était français. Ouais, mais Kylie Mann, je crois qu'il est belge. J'ai pas l'air. Francophone. Alors que Pressure, donc, je rappelle le principe, on a des checkpoints. On adore cette carte. Ah ouais, une ligne de course extrêmement intéressante, clairement une des plus intéressantes de cette Zilan, avec un thème assez sombre, assez industriel. Et des checkpoints qui ont un concept assez intéressant, c'est que si on flâne un peu trop, si on bobe l'air, si on admire un peu trop le décor, eh bien le jeu nous fait comprendre que c'est pas pour ça qu'on est là. Hein. Car il vous inonde. Et il nous inonde, tout simplement. Voilà, on a un genre de liquide noir qui monte. Pétrole, d'huile, on ne sait pas trop. C'est ça. Et voilà, le but, c'est pas de se laisser submerger. Normalement, quand on maîtrise un peu, c'est bon. D'ailleurs, là, on ne voit pas trop l'eau monter sur cette run de Kalen. Je rappelle que c'est un jeu sans warm-up. Donc, dès qu'on arrive sur une track, ça joue direct. Ouais. Et ça, c'est vraiment le côté positif. Tout à l'heure, c'était la première piste. Donc, ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai que... Ça passe bien. Ouais, la fin était plutôt bien. Donc là, voilà, j'ai pu se présenter la piste. Vous avez vu l'eau qui monte là, hop, on est sous l'eau. Je vais vous expliquer deux, trois techniques qui sont un petit peu sympas. On va juste regarder la fin de ce classement. Slide, Kalen, Kenny et Leaf pour le top 4. Attends, tu disais Slide, Kalen, Kenny? Ouais. Ah ouais, sur cette piste-là qui vient de se passer. 8, 6, 15... on va pas encore remonter, mais... 176, 180, mais ça c'est incroyable, ça je pensais vraiment pas. Moi je pensais que dès le 3e, 4e round, il y aurait déjà quand même un écart un peu conséquent. Et tu vois, hein, ça prouve bien qu'il y a un équilibre qui est vraiment parfait entre les deux équipes. Ça fait plaisir à voir aussi. Hein. En finale, de voir... Oh la vache, est-ce qu'on peut passer sur ma POV, la régie, très rapidement? Parce que là, en termes de spec mode, je crois qu'on est sur un record du monde. Regardez ce que j'ai. Cet emmerdement massif. Regardez ce que j'ai sur le spec mode de Trials. Attendez, vous allez voir, voilà Kalen. C'est la fin du jeu. Il n'a pas fait un OOB quand même. Regarde, c'est Kalen qui sort du décor actuellement. Bref, on peut repasser sur la POV, excusez-moi. Oui, voilà. Alors, quel cono celui-là, je te jure. Excusez-moi, parce que c'était quand même assez incroyable. Il est en train de voler sous le sol. Alors. Le looping, il ne faut pas hésiter à aller pas mal en arrière parce que ça permet de reprendre de l'élan qui facilite les CP suivants. Kalen qui traverse les murs, pas très fair play de sa part. Écoute, bon. On n'a pas précisé si les OOB étaient acceptés. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est notre faute. Ah, 8 points d'écart entre les deux équipes en tout cas. Et sur cette grosse dernière descente, il fallait bien entendu relâcher l'accélérateur pour laisser la roue libre. Kenny Étoile Kalen retrouve en top 3 avec... uniquement la Team Cake. Effectivement, on a fait position 1, 2 et 3. Donc là, ils vont dépasser. 194-202. C'est la Team Cake qui va passer devant. Pour l'instant, en tout cas. Je crois que ça a déjà été comptabilisé ou pas? Non, pas encore. Ça va l'être. Pas encore, ils vont passer devant totalement. Oh là, ça veut dire que ça y est, la Team Cake prend le lead sur le match de Trials. Je suis certain que Skyheart leur donne le compte puisqu'il est très bon en calcul mental. Et c'est pas du tout de l'ironie. Donc je pense qu'il sait qu'ils sont menés. Sur la sortie de cette manche, avec le score qui va s'actualiser en haut, vous allez voir. On a 218 à 214 actuellement. Ce start. Donc 4 points d'avance pour la Team Cake. Si punitif, hein, le start. Et ce tuyau sur lequel il ne faut pas prendre trop de vitesse. Hein, là, le piège, ça peut être de partir un peu trop dans les airs. Il faut absolument gérer l'airtime. Et c'est plutôt réussi, a priori, pour à peu près tout le monde. En tout cas, Kalen s'est maîtrisé. Et pourtant, c'est loin d'être une chose évidente. On retourne sur la partie du flip arrière. Il va pas assez en arrière, c'est pour ça qu'il a pas forcément assez l'élan, mais il arrive quand même bien à Stam. Il fallait faire effectivement ce petit bunny hop sur le tuyau, ça permet de pas tomber dans le trou. On va aller sur la dernière partie, on accélère en claquant la roue arrière sur la partie descendante, on se laisse en roue libre, c'est ce qui nous permet de tomber dans le creux de la vague, bien penché en avant sur la fin, Kenny Kalen pour le top 2. Kenny Kalen. Leaf et Slide. Si Étoile pouvait prendre la 4ème place, non, ouais, il arrive en 5ème. Ça, ouais. Bon, ça fera quand même plus de points puisque top 1, top 2, ça fait, top je crois, 10 et 8. Top 2, ouais, ça fait plaisir. Hein. Et ça y est, regardez le score qui est un petit peu updaté là-haut. 218, 214, c'est 4 points près, mais c'est incroyable. 4 points près sur le round d'avant. Incroyable. Sur le round d'avant. Après, il y a ça qui va être mis en plus. En actualisant, Cake va reprendre un petit peu de points. Et comme on a vu, les matchs sont hyper close. Si on commence à creuser l'écart, ça va être de moins en moins facilement remontable. De moins en moins remontable, pardon. Donc, ça va être
de mieux en mieux. Après, chaque map peut vraiment changer le cours des choses. Les types de difficultés des autres tracks sont très différentes. Ouais, exactement. Donc là déjà, on va voir comment les deux dernières manches. En tout cas, Team Geek se débrouille bien sur des tracks difficiles. Oui. Et ça, c'est quand même un point assez important. Mais moi, je me doutais pas. Enfin, je ne doutais pas de leur talent, complètement. Et comme je te disais. Ok, ils sont pas forcément les plus forts du classement, mais très régus. Et puis, ils se sont beaucoup entraînés ensemble. Ouais. La Team SSL, probablement aussi. Mais c'est vrai que ça paye. Hein. De toute façon, le partage de strat, c'est quelque chose qui plaît. On a eu un petit coup de frein à Kalen qui avait tellement d'élan. Et ça a été très, très bien vu. Non, oh, dommage, il l'avait si bien rattrapé. C'est dommage parce que, ouais, effectivement, se rattraper d'une erreur comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce qu'on peut passer sur ma POV en régie? J'ai un truc assez important à vous montrer. Oh, que ça, t'as fini de te moquer du jeu, là. Il est incroyable, ce mec. En train de fapper dans l'air. Bon, on reparlera du fapping un peu plus tard. Je suppose que tu nous feras tout un tas de jeux de mots. C'est exceptionnel, mesdames et messieurs, du grand immoment d'e-sport. Pardon, excusez-moi. Allez, je me déconcentre. Oh, top 1, top 2, top 3. Oh là là, Kenny étoile Kalen. Est-ce qu'on peut finir comme ça? Allez, Kalen, là, tu donnes tout. En tout cas, Kenny étoile, c'est gagné. On le voit sur la petite barre. Ils vont pas avoir de petits problèmes pour finir. Ça a hurlé. Kenny a hurlé. Ah ouais, c'est un peu dommage. Attends, Kalen n'a pas fait. Allez, Kalen en 3ème. Regarde Kenny, la tension dans les mains de Kenny. Il va le faire. Kalen qui passe, et c'est le top 3 pour la. Oh la vache! Et ça doit leur faire du bien. Par contre, je sais pas pourquoi il y a quelqu'un sur le PC de Kenny, mais faut qu'il se dépêche. Hein. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Kenny, ouais. Non, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Le connecter sur Twitter, il aime bien tweeter ce qu'il fait. En train d'activer le hacking. En temps réel. Ah non, c'est bon. Hein. Ah non. Un peu d'embot, hein. Attention. Ah non. Est-ce qu'il y a d'ailleurs du TAS sur Trials? Je sais pas si on en a parlé. Sur Rising, je ne crois pas, mais jusqu'à Fusion, il y en avait. Ouais, ouais. Okay. Donc du tout l'assisted speedrun, en gros des robots qui jouent à la place des joueurs pour faire les meilleurs trages. Et sur les pistes officielles, c'est pas ultra flagrant. Pas dingue. Non, c'est pas flagrant. Okay. Par contre, des fois, il y a des gens qui s'amusent à faire des tasses où ils font des figures complètement impossibles. Ah ouais. C'est-à-dire des flips, par exemple, qui ne servent à rien pour valider le temps, mais qui sont, par exemple, Pixel. À ça du sol, tu vois. Donc, ça, c'est marrant. Voilà. C'est plus des performances. Je vois. Après, il y a un peu de speedrun qui a été fait en tasse, mais clairement, c'est plus les speedruns humains qui sont favorisés sur Trials. Alors, Kenny devant, Kalen, Leaf, Kenny. Ici, la Team Cake qui a vraiment. J'ai l'impression qu'on reprit le lead, en tout cas pour l'instant. Oui. On est. Oui, attends, oui, oui, attends, oui. Il y a vraiment égalité 240. Non, voilà, 264. On a 24 points d'avance. Ouais. Hein. Attends, t'imagines que sur Pressure, ils ont fait deux top 3. Ouais, c'est incroyable. Bah, ça, clairement, ça les a fait revenir. C'est, hein. Ça, c'est fou, quoi. À voir comment ça se passe sur Chickenland. Ouais, Chickenland, hein, qui sera vraiment la piste la plus technique, la plus traître, et qui en plus contient un cut, parce que c'est vrai que là, finalement, c'est que de l'optimisation. Il n'y a pas de cut. Il y a très peu de. Il n'y a aucun gros cut. C'est que de l'optimisation. C'est que. Si on compte éventuellement le dernier. La dernière boss, voilà. Parce que là, si on accélère ici, on est obligé de remonter sur la pente qui est ici. Mais c'est pas vraiment un cut, encore une fois. Chickenland a un cut extrêmement dur à régu. Voilà, Leaf premier, Kenny et Étoile en deuxième. Leaf qui aura volé là. Et Kalen d'ailleurs, 2, 3, 4. Leaf qui aura réussi à voler, à prendre cette première place tout simplement. Je pense qu'il doit être content. Ouais, il doit être content, ça fait toujours plaisir d'aller mettre des points. Il faut surtout pas que la Team SSL se déconcentre. Par contre, ils ont largement les capacités d'aller chercher la Team Cake sur ce jeu, qui est Trials. On avait dit d'ailleurs qu'ils étaient potentiellement les favoris de ce match. Oui. Après, ça reste théorique, il y a toute la pression du match, etc. Le fait de pouvoir être. Enfin, revenir dedans. Et surtout, on était qu'à la moitié du match. Et là, on est qu'à la moitié. Faut bien comprendre qu'on est vraiment qu'à la moitié. Cette phrase. On est qu'à la moitié du bloc Trials Rising. Pour cette finale. Ça fait plaisir. Ça, c'est cool. Donc, on a fait les trois premières cartes. Maintenant, il en reste trois. Chickenland, Underscore. Chickenland, c'est mappé par Champy, Poirot et Kailiman. World record à 35,7 par notre ami GT4. Alors, pas de warm-up, on rappelle. Quand vous voyez des joueurs restart. Là, c'est direct. Parce que Kalen a déjà fait beaucoup de restart. Hein. Ça s'est un peu mal passé son départ. Par contre, il est passé direct. Voilà, la transi CP2 tout 3 est extrêmement complexe. C'est vraiment, un des premiers trucs qui font que tu sais que si le mec a lancé le jeu ou pas là concrètement là c'est normal que Kalen peut-être et je pense à mon avis hein, Skyheart qui va avoir un petit peu de difficulté aussi Skyheart même dans les soirées d'entraînement qui déjà avait du mal sur ce checkpoint. Après c'est pas très grave, c'est qu'une seule position de son équipe. Si Leaf peut faire des top 1 à chaque fois typiquement, il ramènera beaucoup de points. Complètement. Et puis là voilà le petit bunny hop. Ça s'est pas passé. Malheureusement, une ligne de course qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs une piste qui s'appelle UK Upper sur le mode carrière. Et c'est plutôt
plutôt bien pensé avec beaucoup d'optimisation. Donc le cut central, on l'a vu très rapidement tout à l'heure. Enfin, Kalen ne l'a pas pris parce qu'il est très dur, mais moi je le prends pas, hein, c'est pour vous dire. Donc parce que Danum qui est très forte au jeu, pour ceux qui savent pas. Ouais, bah après, moi je suis pas aussi forte que Leaf, hein, par exemple. Non, mais bien sûr. Mais tu débrouilles très bien sur le jeu. J'ai des bonnes bases. Pas de fausse modestie. J'ai des bonnes bases. Après, voilà, je joue pas Ninja, par exemple. Ouf, mais c'est vrai que ce cut en plein milieu de la piste, eh bien, c'est un bouton, c'est une ardoise en fait. Ouais, une ardoise plaque sur blanche le toit, de voilà, peinture. Et si la moto la touche, ça fait exploser une plateforme sur laquelle c'est possible normalement de bounce, hein, c'est-à-dire faire un atterrissage uniquement avec la suspension arrière. Exactement. On écrase complètement la suspension. Et on peut passer directement sur le CP qui suit. C'est un sacré gain de temps, hein, plusieurs secondes. Et c'est vraiment un des cuts qu'il faut faire si on veut réguler la médaille diamant, par exemple. Ce qui n'est pas forcément utile pour une Zilan. Hein, non, c'est vrai. D'ailleurs, on a vu plein de fois des joueurs arriver dans des très bonnes positions sans avoir des temps diamants, évidemment. Alors attention, vous voyez justement Kalen ici qui galère un petit peu, comme Skyheart au même checkpoint qui n'a pour l'instant pas réussi à passer. Kalen qui va devoir remonter maintenant sur le temps de Étoile, Kenny, Leaf et Slide qui sont pour l'instant dans les premières positions. Attention, Étoile et Kenny, très bien placés. Hein. Étoile et Kenny qui sont pour l'instant en position de leader. Il faut absolument que Leaf et Slide aillent les chercher. Là, ça y est, hein, il faut commencer à remarquer des points parce que Team Gag est en train de prendre de l'avance au niveau des points. Je sais pas si vous avez vu, mais 26 points d'avance quand même pour la Team Gag. Ça commence à être un sacré écart. On rappelle, 60 points d'écart maximum sur une seule carte pour faire le break totalement. C'est-à-dire que si Team Cake arrive à faire 60 points avant la dernière carte, eh bien, ce sera gagné. Ouais. Et ouais, on a vu Slide et Leaf. Oh, Slide qui... Ah ouais, d'accord. Et juste derrière. Parce que Kenny était même devant Slide et Leaf. Il y a eu juste un petit moment. Il y a dû avoir une micro-erreur de Kenny qui fait que Slide et Leaf sont passés devant. Donc, on a Étoile et Kenny en première et quatrième place. Slide et Leaf en 2 et 3, forcément. Ouais. Kalen et Skyheart, sans grande surprise, en 5 et 6. Mais franchement, voilà, sur une piste comme ça, c'est totalement normal. En tout cas, très bien joué pour Slide et Leaf qui font vraiment le taf. D'ailleurs, ils ont des supporters, la team SSL, les supporters d'SSL qui sont totalement au taquet pour supporter leur équipe, ce qui est normal. Une équipe, ça se soutient dans la victoire comme dans la défaite. Skyheart qui n'aura pas réussi à terminer cette course, mais ce n'est pas grave. Il marque quand même les points. Encore une fois, dans Trials, pas besoin de finir les courses. On a quand même les points, même en étant délimité à certains checkpoints, si jamais il y a plusieurs personnes qui ne finissent pas. Ouais, d'ailleurs, Skyheart, même si là, par exemple, il était dernier, il a très bien réussi la dernière montée, juste après le potentiel cut de maison. Il a vraiment passé le CP en no airtime absolu. Et c'est vrai que là, si tu arrives à régler ça, par exemple, c'est très bien. C'est beaucoup bonne, de gain de temps. Très bonne alternative au fait d'assumer de ne pas passer le cut. Oh, j'adore l'eau. Attends, je reprends de l'eau. C'est pareil, dans 20-30 ans... Il n'y en aura plus. Ouais, il me semble. En tout cas, pas sous cette forme. Alors que Étoile qui aime beaucoup, hein, je crois, cette piste au mauvais atterrissage, malheureusement. Il était un peu trop penché sur l'avant et du coup, ça a choc. Voilà, on voit le petit bouton là. Qui et on a vu l'explosion en bas. Ouais, qui était sur le toit. Je garde la bouteille vide pas loin au cas où j'ai envie de casser quelque chose. Oui, on n'est pas à l'abri d'un plantage. Exactement. Bien sûr, par contre, s'il y a un plantage maintenant, je quitte le plateau. Non. Reste là et tu dois recommencer le match. Oh, attention, Étoile. Non, ça va. Pas de choke. Leaf et Slide sont devant. Ça, c'est très très bon pour la team SSL. Leaf qui a terminé. Slide juste derrière peut l'être avec Kalen. Non, ils sont au coude à coude. Kalen en deuxième. Au millième près. Kalen devant. Incroyable. Kalen, Slide, Étoile, Skyheart. Voilà, en même temps. C'est ça. Vraiment en même temps. On devait être à moins de 5 dixièmes d'écart entre tout le monde. Kalen qui a réussi à reprendre une place. Leaf qui aura quand même fait sa place de top 1. Slide qui sécurise la place de top 3. Mais là, il va s'en vouloir parce que ça s'est joué vraiment à quelques centièmes voire millièmes pour être à égalité avec Kalen. Et dans tous les cas, très stack. Hein. Sur les précédents try, Kalen était plutôt cinquième. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Deuxième ici, ça a dû lui faire plaisir, je pense. Hein, mais c'était. Ouais, clairement. Il y avait une bonne maîtrise. Clairement, c'est le GG. Le fait de pouvoir revenir, alors on avait 28 points d'écart avant ce round. On est à la manche 3 sur 5, donc encore deux manches. Enfin, on vient de faire la manche 3 sur 5, pardon. Donc encore deux manches sur cette piste Chicken Land. Avant qu'on arrive sur Underscore. Underscore, oh là là, il y en a des choses à dire sur cette piste. Ah oui, d'autant qu'on ne l'a pas encore vu. Oh là là là. On ne l'a pas encore vu. Allez, 320 à 292, ça peut encore se jouer très très largement. Je suis ressuscité. Ah, mais tu vois, l'eau, hein, comme quoi. Je suis de retour. Ah. La pastille, le Lidocaine, pour être honnête. Ah. Sachant que, je précise quand même, vous pouvez télécharger toutes ces courses et les faire chez vous. Si vous allez sur votre jeu Trials Rising, vous allez dans le menu Zilan, dans le track central, et vous avez toutes les cartes. À savoir que si vous reculez au début de chaque course, il y aura des petites surprises aussi. C'est vrai. On n'en a pas trop parlé. Il y a beaucoup d'easter eggs. Il y a des petites surprises voilà, sur chaque map. Dans le lore des pistes officielles, il y a toujours plein de petits trucs cachés. D'ailleurs, il y a un conteneur à ton nom sur cette track. Tout à fait, tout à fait. À la toute fin. Sur Stream Room aussi. Je suis sûr que vous l'avez vu.
Évidemment. Hop là. Allez, Sabonis, un petit peu trop sur l'avant. Ouais, le crash. C'est ce que j'allais dire. Alors là, par exemple. Mais là, tu vois, Étoile et Kenny ont tous les deux raté leur début. Ah ouais, Slide et Leaf, là, tu vois, qui ont fini quasiment. Ouais, même ça, temps, c'est très bon. Ah là, là, ils ont. Je me demande à quoi ressemblait leur POV parce que là, ça devait être quasiment collé au niveau du Ghost. Kalen, 3ème, hein, pareil. Ça, c'est plutôt nice. On va voir ce que ça donne pour le reste. Skyheart qui valide et Kenny et Étoile qui cette fois-ci sont un petit peu en retrait. Ouais, là, bug. Alors que ça, bon. Là, c'est pas mal ce qu'a fait la. Bah, là, ils ont plus besoin de finir la course, ouais. Effectivement. Le pilote en ragdoll. Le grand truc des jeux trials, bien sûr. Des fois, on exploite cette mécanique à fond, bien sûr. Notamment avec le caddie. C'est pas. D'ailleurs, je crois que certaines pistes sont jouables caddie quand même. Non. Eh bien, je crois. Menteuse. Que si. Ah, si, je crois bien que si. Pas les cartes faites par nos mappeurs. Pas les mappeurs, oui, mais là, il y avait des pistes officielles. Ah oui. Et les pistes officielles, en soi, si quelqu'un veut jouer caddie ou quad, en soi, c'est possible. Aucun véhicule n'est interdit à l'Asie, là. Il me semble. Tout à fait, sur les campagnes officielles du jeu, on peut aller jouer au caddie. Là, la dernière, là, village au milieu du nuage, si quelqu'un joue caddie, moi, je t'avoue. Le rêve. C'est mon rêve. Je serais émoustillé. C'est totalement un rêve pour moi qui se réaliserait, je dois l'avouer. Bon, et du coup, dernier try sur. 24 points d'avance. Cette piste. Non, un peu moins, pardon. Non, un peu moins, beaucoup moins maintenant. 336 et 330. Hein, ouais, non, ils sont bien. SSL a bien remonté. Ah ouais? Non, c'était pas actualisé. Voilà, 14. Ah points. Non, voilà. 19 points. Ah ouais. 19 points d'écart, c'est que dalle. Ah, ouais, hein. Ça va se jouer jusqu'à la dernière fois. Ah, mais non, hein. En un round, ça peut être. Ah ouais, en un round, ça peut se plier. Quel match! Ah, il a vraiment essayé, Étoile. Ouais. Il a essayé de faire un espèce de balancier par-dessus le bouton. Pour ne pas le prendre, malheureusement, quand tu n'as pas l'inertie de la vitesse, il vaut mieux assumer de passer. Tu sais tout de suite en arrivant dans la pompe du toit si tu vas pouvoir le choper ou pas. Ça se voit tout de suite. Par contre, il a très bien passé le CP 7 ou 8. Ça s'est bien passé. Est-ce qu'il pourrait rattraper Slide ? Non, je pense pas. Il n'y aura pas d'erreur à ce stade-là de la course. Très léger bunny hop, flip avant pour passer au dessus. Mais on arrive avec un Kalen qui a fait premier. Ah, son Kalen premier, c'est ça. Oh, et Kalen qui a fait Kenny qui a fait 3ème finalement devant Slide. Ça s'est joué à quelques millièmes, je pense. Mais tu vois, il a remonté une jambe. C'est pour ça qu'il est meilleur. Ah, mais voilà. Mais ouais. Vous avez vu la jambe de Kalen là? Ouais. Ce bon cuisseau là. Tu voyez, te dis que là, il est là, il est en train de faire ça comme il pourrait être en train de. Et non, mais je te disais, en fait, lui, il me disait, moi, je joue le pied sur la table chez moi. Ouais. Bah, c'est d'habitude. Là, ça veut dire qu'il est qu'à 50%. Parce qu'il a pas encore le pied le sur la table. Le deuxième pied aussi. Imagine, voilà. Oh là là. Ouais, donc il est à 25%. Imagine quand il va commencer à mettre le premier pied sur la table. Alors là, ça en sera fini. Encore sa forme définitive. Exactement. Et bien voilà, c'est tout pour Chicken Land. On passe à Underscore. Ah, voilà. Underscore. Alors, par warm-up, on rappelle, on est direct dans le jus. On est direct dans le jus sur Underscore. Underscore qui a été créé par notre ami Tequila et Ramchandra. Mantis sur Underscore. Mantis. Oui, globalement. Bien globalement sûr, Mantis. Bien. Sauf si tu maîtrises pas parfaitement, tu peux assumer de la jouer à la Rhino. Et franchement, je pense que si tu la fais bien, ça doit pas être si pénalisant que ça. Ok. Parce que pas beaucoup de gros aériales, mais pas mal de petites accélérations qu'il faut reprendre. Voilà, rien que le start, hein, tu vois. Rien que le start, il est agressif. Puisque voilà, il faut lever la roue, tu cales, tu fais un balancier avec toute ta moto par-dessus. Et il y a donc ce qu'on appelle un slide à sortir. Leaf et Slide qui sont juste devant Kalen. Ça va, ça, on a évité le pire. Avec pour l'instant un lobby très stack entre Kalen et Skyheart qui sont quasiment roue dans roue. Les petits, ouais, ils sont roue dans roue. Regarde le classement là, ça fait 3-4-3-4-3-4-4. Kalen Sky. Donc on a ce poteau voilà sur lequel il faut passer. Il faut pas hésiter à avoir une bonne vitesse sur le poteau. Ouais, petit, il a essayé de compenser, mais c'est pas forcément réussi. La fin n'est pas évidente. Il y a deux façons. Là, les trois SSL devant, c'est bon ça. Hein. Ouais. Ça c'est très bien pour la team SSL. Ça ils sont autant là. Ça a serré le point. Forcément, on va peut-être revenir pas mal. On est à combien? On était à 18 points d'écart. Ah, c'est pas mal du tout. Skyheart, ouais. Faut être honnête. Team SSL. Alors c'est quoi? C'est 10 points d'écart, je crois, un run parfait. Ça doit être ça. Non, c'est un peu moins. C'est combien? C'est 18. On a 5, 9, 12. 18. 64. 24. 18, 24, c'est ça? Fois 12. 18, 24, donc c'est 6. Au carré. J'ai l'impression que c'est 6. Pas trop. Je connais pas tant que ça, moi, toutes ces choses. Non, c'est 12. Ouais, c'est ça. C'est 6, donc c'est 12. Ok. Non, c'est 12, c'est bien ça. 12 points d'écart au max. Alors qu'on a vu une poule se faire dégommer la tête. Voilà. Tout à fait. Ça fait partie des petits easter eggs, mais ce n'est qu'un tas de pixels, donc rassurez-vous, il n'y a rien de réel. Voilà. Ah, évidemment. Alors, donc. Évidemment. Le jump, alors là, normalement, il est possible d'enchaîner la côte into pente. C'est ce qui permet de ne pas avoir de temps mort sur la partie horizontale. Dame, 6 points d'écart.
6 points d'écart. Mon cœur palpite. Ouais, franchement. Je commence. 6 points d'écart au bout de 5 maps. C'est génial. Tu te rends compte? C'est génial. 5 tracks. Imagine, encore pire. Encore pire. Encore mieux. Oh, est-ce qu'il va réussir le passage par-dessus? Ouais, non. Ça n'aura pas assez de vitesse. Skyheart en premier, Kenny en deuxième. C'était un peu bizarre. Sur la fin, alors à noter que sur cette fin, si tu passes par la première pente, tu as une plateforme qui descend du ciel. Hein, exact. Qui descend d'un arbre. C'est vrai. Et c'est vrai que tu peux passer par-dessus. Ça te catapulte quasiment jusqu'à la fin, mais pas tout à fait. Donc tu peux croire que c'est un shortcut, mais en réalité... C'est un rallongé. C'est pas un rallongé, c'est un vrai faux shortcut. C'est-à-dire que si tu le fais de façon traditionnelle, tu iras à une certaine vitesse. Si tu fais apparaître la plateforme et que tu maîtrises bien ça, ça fait un petit cut. Je croyais que c'était un vrai cut. Mais si tu veux, c'est un vrai cut, mais c'est pas le cut ultime. Ok. Il y a une troisième façon de passer cette fin, et c'est d'avoir une très grande vitesse, de passer sur la deuxième pente, et là, tu arrives quasiment à la fin. Et ça, c'est le giga cut. Directement, ça, c'est le giga cut. Ok. Mais qui est assez dur, hein, franchement. Assez dur. Oh là, le slide qui est très bien passé. Ça, c'était beau. Ça, c'était super bien fait. Ça, c'était très, très, très Pour beau. L'instant, la Team Cake en leader 1, 2, 3, mais on est qu'au milieu. Par contre, qui sont passés. Deux grosses erreurs de Skyheart et Slide. Ça, il va falloir que Leaf le deny absolument. C'est-à-dire que pour l'instant, Leaf est en quatrième position. On le voit sur les petites barres grises en haut, mais il faut qu'il arrive à revenir. Parce que pour l'instant, c'est Kenny, Kalen et Étoile qui sont devant. Si jamais ils arrivent à finir, ce sera beaucoup de points d'avance. On en parlait, hein. Kenny. Kalen, Étoile, il essaie de le faire, mais là tu vois, il a cette dernière fin. Ouais, Leaf qui a voulu risquer, mais ça ne fonctionne pas pour l'instant. Les trois arrivent, la Team Cake qui va être contente. Les trois qui passent. Les trois qui passent. Ça fait plaisir. C'est marrant parce que tout à l'heure on a eu le top 3. 12 points d'avant. Top 3 SSL, boom. Et là on a le top 3 cake. Oh, ça c'est marrant quand même. On est vraiment sur. Ils avaient, tu te rends compte, ils avaient 4 points d'écart. Et là ils creusent avec 12. C'est ouf. C'est vraiment un truc de fou. Plus que 2 manches. Plus que 2 manches sur Underscore avant qu'on passe à Thousand Clouds Village. C'est vraiment sympa de voir des pistes qu'on n'avait pas encore vues. Underscore. Le match est si serré, c'est incroyable. Après tant de rounds. C'est trop bien. Non mais ouais, clairement. Underscore, moi j'adore. Underscore qui a une platine à 44,5 et un world record à 38,6 par GT4. Bientôt. Tout à fait. Alors un début de carte qui... Regarde la barre en haut. Le point est stacké. Ils sont tous collés. Ouais, ça clignote. Tous collés. Ça clignote même tellement c'est... Ils sont tous roue dans roue. C'est incroyable. Voilà, les petits écarts commencent à se creuser. Mais franchement, regardez à quel point c'est close dans la run. Ils sont tous collés. Bon sang, vous rendez compte? On a Skyheart qui est un tout petit peu en arrière, mais même pas en réalité. Il suffirait d'une simple erreur pour que la moto balaye Skyheart puisse balayer là jusqu'à la fin. Ça risque d'être extrêmement serré. Ah, ça y est, on a une première erreur de slide. Première grosse erreur de slide. Mesdames et messieurs, pour l'instant, c'est Kenny, Kalen et Leaf qui se tirent la bourre pour la première place. On arrive sur cette fin. Attention, ça va se jouer au millième. Classement final. Leaf, Kenny, Kalen, Étoile. Leaf, Kenny, Kalen, Étoile pour le classement final. Mais à moins d'une seconde. Le top 5 en moins d'une seconde. Top 5 en moins d'une seconde. Mais c'est incroyable, franchement. Trop cool. Trop cool. Mais Jean-Marie, vous avez un match incroyable. Oh, c'est un truc de fou, vraiment. Ça, c'était fou. Dernière manche sur Zilan Underscore, qui est une course décidément sacrément disputée. Ouais. Avec ces 6 joueurs qui nous offrent un spectacle absolument exceptionnel. Je pense qu'on est tous d'accord maintenant. Et c'est le match, je pense, le plus close qu'on ait eu de tout. Alors Tequila d'ailleurs, qui a bossé sur cette piste, c'est le démon derrière la plupart des trajectoires des pistes. Le démon. On peut l'appeler comme ça, hein, piste officielle du jeu. Petite erreur de Kalen. Voilà. Grosse erreur de Kalen qui va lui coûter la 6ème place pour l'instant. Oh, attention, oh là là, double erreur. Malheureusement. On n'est plus dedans. Le syndrome Guitar Hero. Oh là 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 là, ouais. On en parlait. Hein. Il y aura une note, tu rates la piste. On se reconcentre. Pour l'instant, Kalen en dernière position. Il a réussi à rattraper quand même ce jump. Alors que dans le top de la position, pour l'instant, c'est les 3 SSL qui sont dans le top. Donc on va encore revenir sur les points si jamais ça se confirme. C'est possible qu'ils le refassent. Avec top 1, top 2, top 3. Ici pour Slide, Skyheart et Leaf, c'est extrêmement bien joué. Il faut qu'ils arrivent à rester régu sur ça. On est sur le POV de Skyheart actuellement. On a switché avec du coup cette fin de track qu'on a. On a Slide qui est juste un petit peu devant, roue dans roue. Et voilà les 3 qui terminent et qui font les 12 points à rattraper. Ça suffira pas pour l'instant pour passer devant. Et deux top 3 d'affilée quand même. Deux top 3 d'affilée. Ouais, c'est un truc de fou. Oh, ça, c'est l'e-sport. Un truc de fou. C'est l'e-sport qui fait réfléchir. JPP, comme disent les jeunes. Oh, Jean-Pierre Papin, bien sûr. Jean-Pierre Papin, comme disent les jeunes. Du coup, non. Ah bah non. Du coup, non. Ah bah merde. Jean-Pierre Pernaud, à la limite. Allez. Un peu plus jeune. Village aux 1000 nuages. Alors, on change de map. Une piste que je joue personnellement à la Rhino.
Et ben on reviens. Va voir. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Et j'ai vu pas mal de streamers s'entraîner pour la Zilane à la Mantis. Et ouais. C'est possible, les deux sont possibles. Tu les détestes ? Pas forcément, c'est juste qu'à la Mantis, il y a un cut au premier tiers de la piste qui est beaucoup plus dur à la Mantis. Par contre, tout le reste va être un petit peu plus simple. Pour la Rhino, c'est l'inverse. Le cut va être non pas gratos, mais franchement, c'est beaucoup plus facile à régul. Ouais. Par contre, tout le reste de la piste, ça va être une très grande côte avec énormément d'airtime sur lesquels il ne va pas falloir se planter. Et c'est ça la différence de jouer cette piste à la Rhino ou à la Mantis, alors qu'on voit voilà, le cut qui consiste à atterrir directement sur la partie horizontale du CP6. Hop, l'on okay, retombe et là voilà, quand on arrive en bas du CP8, il faut vraiment essayer de repartir le plus vite possible. Ça peut être un run killer. Tout à fait. Voilà. Et à partir voilà, de là, donc là on est sur la deuxième partie de la track, à partir du CP9, voilà, on a plein de parties en côte comme ça. Et la moindre milliseconde que l'on passe en l'air, ça peut être du temps perdu. Donc il faut anticiper le freinage. Je rappelle que la Rhino a un frein qui est beaucoup moins nerveux que la Mantis. Donc il faut prendre le temps. Avec une meilleure vitesse de pointe, comme on en parlait souvent. Une course qui demande pas mal de, je trouve, d'endurance. Je trouve que, je sais pas, elle a une ligne de course qui est plus complexe que la précédente, à mon sens, en tant que joueur un petit peu moyen. Elle est assez longue, hein, puisque... Elle est un peu plus longue que les autres. Ouais. Globalement, faire un sub une minute là-dessus, c'est pas mal. Le world record est à 55, mais... Kenny Leaf Knight, Kalen, Skyheart, Étoile. Sauf si Étoile revient et Skyheart fait une erreur majeure, il reste 20 secondes pour essayer de s'apercevoir de ça. Ok, on a Skyheart devant. Non, Skyheart devrait finir de manière assez évidente. Voilà, donc Étoile doit finir cette course. Ouais. Mais en tout cas... Quelques points marqués de tous les côtés. Un classement un peu plus épars, on est plus habitué. Après, c'est la première run. C'est la première run, voilà. Il fallait se remettre la petite track en tête. Dans les pattes. Dans les pattes, exactement. Et ça va nous permettre de faire une deuxième run où maintenant on connaît. On se souvient. On se souvient plutôt qu'on connaît, parce qu'évidemment, ils connaissent tous. Hein, mais... Qu'est-ce qu'on a ? 453, 447. Mais c'est incroyable. En tout cas, il reste 4 manches. Il reste 4 manches. Manches. Mais si ça se trouve, ça va jouer sur la dernière. Oh, je me régale. S'il y a égalité, je rappelle, on relance une track et ça se joue sur une track. Ouais. Pas un round, mais je crois une track de 5 rounds. D'accord. C'est ce que m'avaient dit les admins tout à l'heure. Et s'il y a re-égalité, on joue jusqu'à la mort subite. On joue jusqu'à 8h du matin. On prend des dés et on fait du 421. On fait du 421. Alors, Kalen qui a raté un petit peu son début. Ouais. Ça passe par en dessous, est-ce qu'il veut... Hop là. Ouais, si, c'est bon, voilà. Donc, pas prendre trop de vitesse. Le fait de passer ici, lui, sécurise le pass devant Skyheart qui n'avait pas pris cet endroit. Avec la vitesse qu'il avait, il aurait eu la Mantis, il n'aurait jamais pu prendre le cut. Donc là, voilà, c'est typiquement, ça sert à ça. Kalen qui vient de doubler Étoile, Kenny qui est en première position. On se retrouve avec un classement à peu près similaire, en tout cas pour l'instant. Même si là, les joueurs sont roue dans roue, on est encore au tout début de cette course. Mais on a surtout Leaf, Kenny et Slide qui sont totalement au début. Voilà, alors que vous voyez la POV de Kenny switchée par la régie qui est au taquet, merci beaucoup. Vous voyez, le classement ne fait que changer entre premier, deuxième, troisième. Ah, dommage, il n'a pas eu la pente au max. Ouais, c'est pas forcément plus grave parce qu'à partir de cette plateforme-là, c'est important de prendre un bon élan, rebondir sur la voiture qui est en train de tomber. Et Leaf qui est devant. Voilà, le but, c'est vraiment de faire une sur deux au niveau des plateformes sur lesquelles on roule. Petit bunny hop ici, voilà, pour pas tomber dans le creux. On maximise l'adhérence de la roue arrière et on se penche sur la roue. Oh, par sur contre, la fin. Par contre, la Team Cake a fait 2-3-4. Ah ouais, 2-3-4. Et ça peut faire mal. On est sur la dernière track. Attention, tous les points comptent. Là, il faut absolument pas finir dernier. Bien que Leaf 471 à 465. La première place, c'est vrai que faire 2-3-4, mine de rien, au global, ça fait plus de points. Donc mais tant qu'il y a 12 points d'écart entre les deux équipes, c'est remontable. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Tout à fait. Parce qu'il y a un moment où peut-être on pourra plus remonter malgré le round. Tu sais que j'hallucine là. C'est ça qui est incroyable. C'est vrai. Alors que des gens disent dans le chat qu'ils sont nus actuellement. Voilà, qu'ils ont perdu leurs vêtements. Tellement la hype est haute et que la chaleur est intense. Oh, Skyheart qui a raté son départ malheureusement. Ça va pas nous arriver. Alors. On peut repasser. Sur peut-être un autre POV pour voir le tableau de tête, cher Régis, je sais que vous êtes au taquet maintenant, voilà. Mais n'empêche que chauffer. Skyheart Mantis, hein, tu vois. Attends, mais Skyheart est en train de revenir sur tout le monde qui a fait beaucoup d'erreurs. Ça va. Non, il a repris deux places, qui est quand même considérable. Kalen et Étoile qui ont fait deux grosses erreurs, visiblement. Ce Skyheart. Oh, attention, non. Oh, non. Vas-y, Skyheart. Est-ce qu'il va se refaire doubler? Il faut savoir que sur la deuxième moitié de la piste, la Mantis est bien meilleure. Hein. Si c'est maîtrisé, c'est bien meilleur. Donc là, Skyheart peut remonter, en vrai. Hein. C'est à partir du moment où le début est passé, et là, il a une position middle tier. Franchement, ça peut le faire. Donc là, au moins, au niveau de la gestion des airtime, la Mantis est beaucoup plus nerveuse sur son freinage de haut de côte. Donc, tu peux te permettre, pour peu que tu maîtrises bien, ça bonque la cloche. Ça bonque la cloche. Est-ce qu'il va
Oui, ça bombe la cloche. Ouais, pas de problème. Pour l'instant, on a Slide surtout qui est en première position, suivi de Kenny et Liv. C'est une bonne. Ah, il est tombé un petit peu. C'est, tôt. En fait, là, c'est Skyheart qui doit absolument être. C'est Skyheart qui doit être aigu parce que c'est lui qui va deny les points de Kalen et Étoile qui sont en 5-6. Allez. Ouais, c'est bien ce qu'a fait Skyheart. Il a réussi à tenir. C'est bien. Il a tenu le coup. Skyheart a tenu le coup. Il a pu deny les points précieux qu'aurait pu empocher Kalen et Étoile. Ça s'est quand même terminé de manière hyper close. Mais voilà, la Team Cake ne se laisse pas abattre. Elle est encore devant. Je sais pas s'ils font les calculs. C'est vrai que 8 points d'écart. C'est vrai que Étoile est aussi très fort en calcul mental, donc est-ce qu'il est en train de tenir les comptes de son côté? Ah, ça serait excellent, ça serait excellent. Ce serait marrant qu'il leur dise, ok les gars, on est devant, 8 points. Tire mon chapeau. Il reste 2 manches. Bah 2 manches. 2 manches. 2 manches, je sais pas combien de points d'écart, mais c'est ridicule, c'est ridicule. Parce que là on a un 490, 482 qui est affiché, mais je crois même pas que ça soit à jour. Oh la vache. Ça, c'est incroyable. Oh la c'est vache. C'est incroyable, voilà, on passe dans la petite crevasse, c'est ce qui nous permet de prendre le premier cut. Petit coup de frein pour retomber directement ici. Le major cut du premier tiers qui passe. La manche du CP6 qui a été un petit peu accrochée par notre ami Kalen. Par contre, là, l'atterrissage et le début du CP8, 6 points d'écart, pas trop mal. 6 points d'écart, dame. Oh la vache, 507 à 501. Ouais, au secours, au secours. 6 points d'écart. S'il y a une, s'il y a une égalité, je me lève, je fais une roulade. Je me lève et je fais une je roulade. Je rigole, bien sûr, mon kiné ne sera pas d'accord. Alors. Mais attends, mais je t'ai vu faire une roulade à la pétanque tout à l'heure. Mais j'ai pas fait une roulade, je me suis mise en PLS. Ouais, ça c'est rien vrai, à voir. Excusez-moi, pardon, je reviens dans le match, il y avait quand même 6 points d'écart. Slide, Kenny, Kalen qui sont au coude à coude pour le top 2-3-4. Ah là, s'ils font 2-3-4, c'est presque game. Il faudra pas faire d'erreur, mais on est encore roue dans roue. Étoile qui repart en 5ème position. Kenny qui est en 2ème, il n'y a plus vraiment d'erreur possible. On a peut-être la track de fin ici. Slide, Kenny, Kalen, Leaf, Étoile, Skyheart. Alors, Slide, combien ça fait Slide, Kenny, Kalen, Leaf, Étoile, Skyheart avec des places dans tous les sens. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que sans te dire combien ça fait, ce qui est sûr, c'est que c'est remontable dans le dernier round. Ça prend la vache jusqu'au bout. Toujours 6 points d'écart. Jusqu'au bout. Toujours 6 points d'écart. C'est démentiel. Il y a toujours 6 points d'écart. C'est démentiel. Ouais, c'est ça. Toujours 6 points d'écart. Donc là, dernier round, dernier qui détermine round tout. De la dernière. C'est incroyable. Piste. Avec tant de points. Finale de la Zilan. SSL contre Cake. Là, on est à, on est aux portes. Il y a 525 à 519. 525 à 519. À 519, ça veut dire que ça peut c'est le dernier être rattrapable. C'est le dernier round. Okay. Tout se joue ici. Ok. Tout se joue maintenant. Au secours. Donc là, en gros, si la team SSL, comme c'est le cas actuellement, fait 1, 2, 3, c'est gagné pour SSL. Oh la vache. Donc ça se joue maintenant. Tout se joue maintenant. Skyheart, Leaf et Slide, effectivement, qui sont pour l'instant 1, 2, 3. Mais et ils sont très bien parce qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs de la team Cake pour l'instant. Ici Kalen qui est en dernière position pour l'instant. Oh, ils sont roux dans roue. Ouais, ouais, on est sur un checkpoint up, ici. Kalen qui a fait une petite erreur de réception. On n'est pas à l'abri. La deuxième partie. Kenny qui remonte. Bien que moins impressionnante, la deuxième partie de la track est. Ah là là, elle est technique quand même. Mais c'est vrai que ça va être. Ça on n'est pas à l'abri d'un crash, même si c'est une carte sur laquelle on crash peu, il faut être honnête. Une carte sur laquelle on a très peu vu de crash. Kalen qui a l'air d'être en dernière position. On a Leaf, Kenny, Étoile qui repasse en premier. Putain, Étoile. Étoile qui repasse en premier. Oh, si on fait 1-3, c'est gagné probablement. Mais là, Étoile qui est repassée en quatrième position, qui a peut-être raté, qui a peut-être fait un crash. Slide, Leaf, Kenny, Skyheart, Étoile, Kalen. Il va falloir calculer vite. Est-ce que si ça reste comme ça, on a un gagnant? Ou est-ce qu'on a une égalité? Kenny qui repasse en 2. Kenny est en 2. Ok, Étoile en 1, Kenny en 3. Je pense. Attends. Mais le classement qui se modifie en direct. Slide, Kenny, Étoile. Mais attends, si Slide est en 1, peut-être que ça fait assez. Attends, Slide, Kenny, Leaf, Étoile, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Slide, Kenny. Il faut que je regarde le classement final. J'en ai aucune idée. Il faut que je regarde le classement final. J'en ai aucune idée. Le classement qui s'est modifié en direct. 214. On va l'avoir dans très peu de temps. Je crois que c'est Cake qui a gagné. Je pense que c'est Team Cake, mais on va quand même vérifier. Je crois que c'est Team Cake qui a gagné de très peu de points. Mesdames et messieurs, c'est la Team Cake c'est qui remporte Cake. Le match. À 2 points! À 2 points! Seulement! 2 points d'écart! Quel match de fou! Quel match de fou! 2 points d'écart! On voyait justement la tête de Scar qui est en train de calculer mentalement aussi. Ah non, c'est terrible! 2 points! 2 points d'écart! Incroyable! Jusqu'au dernier round de la dernière track! Jusqu'au dernier round, c'est incroyable! Et ce qui est fou, c'est que. Ce faible écart s'est vérifié sur les 6 tracks. C'est ça. Dès le début, c'était serré. Mais et ça a été serré tout le long. Ils ont tenu ça absolument. Et même les SSL, je crois, menaient sur les 2 premières tracks. Ensuite, ils ont été remontés, mais tout doucement par Team Cake, qui a maintenu son écart très faible.
et qui a fini par faire exploser à 2 points. Mais c'est incroyable. Mais c'est un truc de fou. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y aurait autant. Mais jamais de la vie. Similitudes. Jamais de la vie. Deux. Mais c'est un truc de malade. On a joué à 2 points d'écart. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, il y a des gens qui se déshabillent en France, en fait. 2 points sur 500. Non mais oui, sur 500. Sur 500. Même sur track, même sur des Trackmania Cup et tout, j'ai jamais vu ça. On joue en 120 points sur des TM Cup, des fois c'est serré, mais alors là, non mais là j'ai envie de péter les plombs. Je vais casser quelque chose. Non. Je vais casser quelque chose. Non mais là je vais casser quelque chose de joie. Waouh, mais franchement, c'est un truc de fou. Bon, écoute, c'était fabuleux. Moi, je félicite encore une fois les joueurs qui ont tout donné. Ah ouais, ils ont tout donné. Il va y avoir une mini pause. Okay. Alors, pas très longue parce qu'il faut qu'on enchaîne et qu'il est déjà très tard. Mais malgré tout, nécessaire parce qu'on va passer sur Quake. Ah, on va passer sur Quake avec. Valheim, pardon, excusez-moi, c'est Valheim d'abord. Hein. Pardon, c'est Valheim d'abord. Désolé. On va passer sur Valheim. Donc, okay. Un speedrun qui peut être gagné par la team SSL. On les a vus extrêmement en forme avec des superbes stratégies. Si jamais SSL gagne Valheim, on passera sur Quake. Et si jamais SSL gagne Quake, les vers de terre, la potentielle banane. The Ver of the Terre. Honnêtement, bon, c'est mes potes Team Cake, j'ai envie qu'ils gagnent et tout machin, c'est pas un secret, mais c'est mon rêve de finir sur Worms. Et rien que pour ça, j'avoue que je vais soutenir, je pense, SSL dans le prochain match. Ouais, complètement. C'est vraiment mon rêve. Alors qu'il est, il est minuit passé, mesdames et messieurs, ne bougez pas. La Zilan, c'est peut-être fini au jeu suivant. On sait que Team Cake est très en forme. Tout à fait. Sur Valheim, on accueillera un moment. On fait une petite pause de 5 petites minutes, le temps de setup les PC. Et je remercie seeds. Encore la Team Trial France. Merci beaucoup. Piste. A tout de suite, la Zilan revient, ne bougez pas. Ouais. On arrive. Gamer. On est de retour. Bah alors. Oh, ça passe devant. Ça transporte des muffins. Ça y est, les muffins power. Ça transporte des petits muffins. Ça fait plaisir. Je vois qu'on est en fin de soirée. Regardez-le avec sa boîte de muffins là. Tu t'en veux ou pas? Ouais, t'es avec mec, tu veux des muffins, ils sont bons. Hein, ouais, sont bons, on est là. Bah, ils sont bons, mes muffins. Hein. C'est chez toi, c'est toi qui as décidé comme ça. Hein. Bon. Mon cher moment. Quel match. T'as vu ce match de Trials hein. Derrière, ça gueulait de. Ouais, j'entendais. Des fois, j'enlevais une oreille, j'entendais. Ah, c'était incroyable. 2 points, non mais c'est impressionnant. Quelle finale. Quelle finale de fou. On va avoir un speedrun de Valheim avec 3-1 dans le BO pour Team Cake qui a remporté, comme vous le voyez là-haut, le jeu surprise, mais aussi Trackmania, mais aussi le jeu Trials qui n'a pas été pick par SSL puisque SSL a remporté son jeu qui est Battle Right Arena. Bon, moi j'ai retrouvé ma voix en tout cas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai retrouvé parce ma voix. Que tu faisais le moteur de et ça régale. Motos, c'est normal. Non, c'est aussi parce que Damdam m'a beaucoup carré sur le cast et j'ai pu me reposer le bruitage des moteurs. ça t'a aidé. Ouais, ça m'a un peu. Tu vois, ça m'a regratté au fond. C'était parfait. Titre, évidemment. Donc, nous allons avoir speedrun de Valheim. On est en train de préparer les joueurs. Ils sont quasiment prêts. Ouais, ils sont prêts, je pense. Team Cake, ils sont déjà prêts. Alors là, mon cher Emmanuel. Non mais rien. Rien, juste game de fou. Non mais game de fou, j'allais dire truc de malade. Truc de malade ce qui se passe. C'est un truc de malade et surtout que là maintenant sur Valheim, c'est à peu près le même niveau hein, les deux. Hein. Parce que t'as du côté de Kex et Kalen qui arrivent bien à faire le BO entre guillemets qu'on peut dire pour le deuxième boss. Et là c'est Leaf donc. Mais là le problème c'est que les mains vont commencer à trembler. Oui. Et des deux côtés, hein, en vrai. Ah oui, des deux côtés, parce que là, il y a le truc de la peur de gagner. En fait, Team Cake, s'ils commencent à avoir une bonne run et qu'ils se disent oh, c'est possible, ouais. On va peut-être gagner la Zilan. Et alors là, si ça commence à trembler en mode. Là, ça va être les decision making. Decision making, ouais. Parce là, qu'en fait, clairement, decision making, rapidité d'adaptation et savoir bien explorer les maps, etc. Oui. Bon, les deux équipes l'ont déjà fait. Hein. Les deux équipes, on a vu des belles runs de Valheim des deux côtés. Donc, oui, y a pas de souci avec ça. On est en fin de soirée, les gens sont fatigués, les joueurs sont fatigués, ils ont passé un week-end. Ouais, ça commence à être. Ouais, les joueurs, il y en a certains qui jouent depuis midi, qui sont arrivés vers 8-9 heures, donc c'est vrai que c'est. C'est compliqué là, la pression. Moi je suis à donf, moi je suis pas du tout fatigué. Oui, bah, oui, non, je suis pas du tout fatigué, j'ai la voix qui est un peu déraillée, mais moi je suis à donf. Hein. Moi ça peut durer jusqu'à 3 heures. Hein. Amenez-moi MV sur Worms, y a pas de problème. Hein. Je suis pas sûr que Worms sera. Enfin, que je le couche. Sera chaud, hein, mais bon, y a pas de souci. Mais oui, ça va être magnifique. Est-ce qu'on y arrivera au Worms? C'est possible. C'est mon rêve. Honnêtement, là, je vais espérer un petit peu secrètement que SSL remporte le match
Oui, parce que quand parce on que j'aimerais et en même temps j'aimerais voir Quake aussi. Ah, j'ai envie de tout voir, j'ai envie de tout voir. Bah oui, mais de toute façon, tu veux que ça soit ça se finisse en 4-3 hein, sur Worms. Moi, je veux que ça se finisse en 4-3 sur Worms. En fait, et tout le monde qui pleure et tout le monde qui dit que le jeu est RNG, ouais, c'est mon rêve. Ouais. En fait, le truc c'est que mon rêve. Là, ce qui peut se passer pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a Valheim, Quake et Worms. Un truc qu'il faut important, Quake ont l'avantage le côté de Skart. Et c'est ça l'avantage. Après, il l'avait sur Trials. C'est vrai. En théorie. Donc, tout peut se passer ici. On est à l'Asylan. Bon. Attends. Prêt. Ils sont prêts là. Prêt. Oh, messieurs, départ vrai. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Connectez-vous. Ouais, allez, c'est, part. C'est donc parti. Une heure de speedrun maximum. Oui. Pour ceux qui viennent d'arriver, on va vous réexpliquer. Il n'y a pas de souci. Puisqu'on est sur un speedrun du jeu Valheim, un jeu PVE en coopération. Sur la mythologie viking. Sur norvégienne. La mythologie norvégienne, tout à fait. Et on s'est connecté exactement en même temps, mesdames et messieurs. Alors peut-être qu'on va se concentrer au départ sur, j'imagine, Skyheart et Étoile, qui sont les deux qui font le boss 1. Comme tu veux, qui tu veux. Ouais, pour le dire, pour expliquer, le problème c'est qu'on peut redire tous les checkpoints. Tu peux le tout dire, à fait, alors je vais vous expliquer rapidement. Ce qui se ouais, je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer pour Valheim, ensuite on fera des switch POV, la régie sera au taquet, bien sûr. Nous avons donc un speedrun, il faut tuer les deux premiers boss du jeu en moins de 1 heure. La première équipe qui tue les deux boss et qui ramène les trophées, eh bien, arrive à la base et peut crier son time. Alors, il y a plusieurs checkpoints qui sont nécessaires pour valider une run de speedrun de Valheim concernant la Zilan. 1. Il faut trouver le boss. Reveal. Donc, reveal le boss. 2. Il faut invoquer le boss. Exactement. 3. Il faut tuer le boss. Et 4. Il faut ramener son trophée à la base, au cercle de pierre. Vous répétez ça pour le boss 2, ça donne 8 checkpoints, mesdames et messieurs. Et voilà, et ça régale. Et là, surtout que pour Valheim, pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs biomes différents. Qui est là où le plus important, c'est le boss 2, c'est le biome forêt noire. Ouais. Le biome qui est quand même assez compliqué au début parce que on est en speedrun, donc c'est-à-dire qu'ils vont pas s'habiller, ils vont pas construire des choses, ils vont pas faire des habitations, désolé Alpha, mais ils seront là vraiment pour aller au plus vite, de se battre au minimum et d'aller chercher les checkpoints. Là, ils sont en train, donc, pour ceux qui ne savent pas, ils ont des rôles, chaque personnage a des rôles. Tout à fait. Côté étoile, son rôle, c'est de farmer et de pouvoir tuer le boss. Voilà. Un assez rapidement pour pouvoir essayer boss d'aider. Boss 1, d'ailleurs, qui est juste à côté de la base. Hein. Exactement. Mais avant de ça, il doit préparer, faire le bois et tout ce qui va avec. Et aussi faire les trônes, enfin pas les trônes, les têtes de cerf. Hein, voilà. Pardon, les trophées. Oui, les trophées de cerf pour pouvoir le ressusciter, enfin le faire apparaître. Et derrière, il pourrait aider les deux autres. Les deux autres, donc les deux autres joueurs, sont là pour faire rush sur les forêts noires, donc trouver les forêts noires. Trouver des cryptes ou des tours pour trouver le Vec Vizir, la tombe qui permet de révéler l'emplacement du boss 2. Ouais, et aussi pour tuer des seeds où là tu peux avoir des graines, 3 graines pour pouvoir faire apparaître le boss 2. Et après derrière, on y va et on tue le boss 2. Et c'est ça qui va être le plus compliqué. Le boss 1 il est simple, le boss 2 et tout ce qu'il y a autour c'est le plus compliqué. Et là, effectivement. On voit Étoile et Skyheart. Effectivement, tu as beaucoup résumé et bien expliqué, honnêtement. Il y a donc les forêts noires, comme il l'a dit, etc. Bon, il vous a tout résumé. En gros, les... Ouais, tu décides pour avoir des graines, pardon. Donc, il y a effectivement deux groupes de joueurs, comme vous l'avez expliqué moment. Et c'est pour ça, bon, au début, on a Étoile contre Skyheart, entre gros guillemets, parce que c'est les deux qui s'occupent du boss 1. Mais la clé vraiment de cette run, et on vous le répétera dans cette run, c'est de trouver le boss 2. Voilà. Moi je mettrais bien Maître Kallen et Maître Leaf, qui est vraiment la clé du déclenchage. Tu veux qu'on passe sur Kallen et Leaf? Ouais, je pense que c'est là où ça va jouer. Pourquoi pas, pourquoi ça va vraiment jouer, parce que le boss 1 il va être fini facilement. C'est, ouais, après c'est toujours intéressant pour les gens qui connaissent pas trop le jeu. Mais en effet, on peut passer sur Kallen et Leaf en régie. Moi ça me pose absolument aucun problème. Voilà, Kallen à gauche, Leaf à droite. Donc le but c'est, voilà, vous voyez Leaf à droite, il est en train de se balader dans cette forêt noire. Et le but c'est de trouver cette fameuse pierre, ce Graal, hein, j'ai envie de dire, qui leur permettra d'identifier l'emplacement du boss numéro 2. Et une fois qu'ils auront trouvé ça, alors là ils pourront établir la meilleure stratégie pour y aller. Est-ce qu'on y va seul? Est-ce qu'on y va à deux? Est-ce qu'on y va en bateau? Est-ce qu'on y va à pied? Plusieurs questions qui devront se poser avec un decision making très important qui déterminera la suite de la run. Exactement. Donc là on peut voir que Leaf a trouvé une forêt noire et va essayer il a besoin de bois pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ses constructions, son lit ou son bateau ou tout ce qui va avec. C'est aussi bien d'avancer et de farmer en même temps. Ouais. Et là Kallen il n'a toujours pas trouvé de forêt noire.
Et en fait, normalement, au début, t'as ton petit corbeau qui te dit où sont la forêt noire. Il te donne le côté. Genre, il te donne un petit ping. Tu peux lui parler, ouais. Ouais, il te parle et il te dit voilà la forêt noire. Le corbeau, c'est le tuto du jeu. Exactement, c'est le tuto. Et là, il donne à peu près voilà, c'est une forêt noire là-bas. C'est Odin, mais à tout moment, ça peut être une forêt noire qui est très, très, très petite. Tout à fait. Il peut y avoir plusieurs zones de forêt noire. Donc, il faut essayer d'explorer un petit peu. Si déjà, est-ce qu'on est sur une île si on est sur. Enfin, on est toujours sur une île, sur Valheim, mais je veux dire, quelle taille elle fait combien elle contient de forêt noire, etc. Est-ce que je vais pouvoir rentrer. Est-ce qu'il faut que je rentre dans une crypte si vraiment je ne trouve pas. Il est en train de galérer, Leaf, dans une. Mais c'est très bien ce qu'il fait. Il joue vraiment safe. C'est-à-dire qu'il met son lit ici, il sait que c'est protégé. Et donc, s'il meurt dans. Il va dans la crypte. Dans la crypte où là, il peut trouver une chance. Vraiment, c'est de la chance. Donc, ça, c'est un all-in. C'est un mini all-in parce que les mobs font extrêmement mal. Et à la fois, vous n'êtes pas sûr de trouver une pierre. Mais oui, mais c'est pas grave. Vu qu'il a fait son lit, il va mourir, il va se ressusciter, il va pouvoir foncer. C'était très rapide. Oui, exactement. c'était très rapide. Des archers. Enfin, il a trouvé un squelette 2 étoiles, donc effectivement, qui one shot avec beaucoup de supporters de SSL dans le chat. Exceptionnel. Mais c'est bien d'encourager votre équipe, surtout qu'ils en ont besoin. Ils sont à 3-1 et je vous avoue que Sky était un petit peu dépité du match de Trials. Hein. Il m'a dit, t'as quand même 2 points, Zera, tu te rends compte. Il parlait aussi de la pétanque, oui, aussi 2 points. Ouais, il disait, 2 points pétanque, 2 points. 2 points top 2 voilà, donc le 2 qui va peut-être les poursuivre. Effectivement, il commençait à avoir peur, il trouvait que c'était un chiffre qui revenait un peu trop souvent dans cette finale. Effectivement, donc Liv qui a Liv, on voit rien du tout, oui, c'est normal, c'est normal, mais on là, voit Liv, vraiment rien dans les grottes qui est mort. Donc pour revenir, il doit prendre sa tombe, et grâce à cette tombe, il est invincible pendant 50 secondes. Et pendant ces 50 secondes, bah, il a juste besoin de courir et de trouver est-ce que la pierre elle est dedans. Voilà. Le facteur de chance est vraiment de 1 sur peut-être sur 6, je dirais. J'ai pas le pourcentage exact, mais des fois, il faut bien comprendre que même dans une seed fixe, les grottes sont générées procéduralement, donc aléatoirement. Donc en fait, nous, ce qu'on fait quand on programme les seeds de Valheim, c'est qu'on prévoit qu'il y ait des tombstones à l'extérieur. Comme ça, eh bien, il n'y a pas de problème si jamais les joueurs ont des cryptes différentes, etc. Donc c'est une sorte de all-in, parce que les joueurs connaissent ce principe aussi. C'est une sorte de all-in d'aller tenter de faire une chambre funéraire, un gamble qui peut payer. Et on voit que la stratégie de Kalen est la même, puisqu'il est allé dans une chambre funéraire, il est allé trouver eh bien, ce mob. Sauf que contrairement à Liv, qui jouait safe, il n'a pas fait de lit. C'est qu'il n'a pas fait de lit. C'est-à-dire que s'il meurt, bah, il va réapparaître méga loin. Ouais, c'est un peu dangereux, mais c'est vrai qu'en courant, normalement, le problème, c'est un petit peu les archers squelettes dans un couloir qui vous bloquent, etc. Mais normalement, les monstres corps à corps ne sont pas vraiment un danger. Alors, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose hein, côté Kalen, mais ça peut payer. Le gamble peut tout à fait payer, donc pourquoi pas. Alors que Leaf est sorti de sa crypte, il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Donc il va continuer d'explorer dans la forêt noire pour trouver le Vecvizir ou pour trouver une autre crypte et tenter de récupérer cette information, mesdames et messieurs. Ouais, ça court, ça cherche au maximum. Là, il voit de la fumée, donc il sait que... Donc pour ceux qui ne savent pas, voilà, la configuration, quand tu mets ta configuration de graphique à très faible, tu as finalement la fumée de très loin et tu peux voir qu'il y a quelque chose de là-bas. Des ruines ou des cryptes qui sont un petit peu un bonus, enfin pas un bonus, mais un indice pour les yeux, effectivement. Alors que Leaf entre dans sa deuxième crypte, donc ça clear vite, hein. Ça clear vite clairement. Étonné par contre qu'ils jouent en all-in crypt, tu vois, qu'ils se disent pas on explore la forêt noire à deux. Ouais, mais en fait, c'est un peu étonné. En fait, des deux côtés, ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils cherchent les deux. Et s'il arrive à trouver une crypte, il va y aller quand même. Certes, il perd peut-être 15-20 secondes, mais c'est très bien parce qu'il a une chance. 15-20 secondes, plus quand même. Oui, mais il cherche. Une minute, tu vois. Oui, enfin, mais le truc, c'est que s'il arrive à trouver, bah, ça a déjà arrivé de trouver directement parce qu'il n'y en a pas non plus. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que si tu rentres dans la première et tu trouves direct, alors là, t'es trop bien. Exactement. T'es trop bien. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien de passer, de faire les deux en même temps. Le truc, c'est qu'il faut aussi, c'est important de trouver des seeds pour pouvoir les tuer, donc les graines. Racines, pour pouvoir avoir une graine si tu le détruis. Et s'ils en ont pas, c'est bien d'avoir le truc, mais si t'en as pas autour, ça va être compliqué, quoi. Ah voilà, de toute façon, c'est un jeu où il faut de la connaissance, et surtout, on vous l'a dit, le decision making est hyper important pour savoir dans quelle orientation tu te penches pour aller chercher des informations dont tu as besoin. Parce que c'est un jeu où il faut aller chercher de l'information. On tape du squelette côté livre, je vois. On a pingé côté Kenny, j'ai l'impression. Après, oui, il y a un peu de RNG, mais si les trois ont bien bossé, qu'ils arrivent à tuer le boss numéro 1 rapidement, il peut aider rapidement. Enfin, c'est rien du tout. C'est juste du travail et de travailler à trois. En fait, tout se base sur comment vous allez explorer votre map. Oui, exactement. Et il faut bien réussir à se séparer, bien prendre des directions opposées, se dire ok, là je viens de repérer une forêt noire, est-ce que tu peux explorer la gauche, moi la droite, ou alors est-ce que toi tu vas chercher une autre forêt noire, etc. Donc le but, c'est de minimiser ces prises de risques aléatoires en justement contrôlant la map et en ayant le contrôle du terrain, tout simplement. Alors là, quelqu'un qui vient de trouver une tour, qui va y aller pour aller voir si... Ah, il vient de voir aussi. Voilà. Donc ça, c'est il a le site un qu'on camp parlait. Derrière. Le camp, le coin en violet, qui, quand tu le détruis, t'as la graine, t'as une des graines des trois pour pouvoir faire ressusciter le boss numéro 2.
Alors Leaf est toujours dans sa crypte, hein. il se bat contre des monstres, même si là du côté de Kalen, on va aller chercher l'autre, mais oh, voilà, on a juste des cœurs de Sterling, donc il n'y a pas de... Ouf. Pas de Vecvizir a priori dans cette crypte, en tout cas je ne crois pas. Non. Il fait toutes les salles en tout cas, ouais. Crypte bien riche, hein, encore oui. Sterling. De l'autre, de son côté, Kalen est en train d'anéantir ce camp qui va lui permettre d'avoir une première graine. Est-ce que ça peut en dropper plusieurs? Non. Ouais, c'est une, hein, on est d'accord. Une seule, et il y a un des mobs où... il y a un mob qui a une chance d'en drop. 33% qu'il le fait drop. Donc vous voyez, une première graine qui va être nécessaire, il en faut 3 oui. pour invoquer le boss 2. Une fois que vous savez où il est, effectivement. Exactement. Mais avoir une graine à ce stade de la run, c'est pas mal. Oh, il a vu un deuxième camp. Ça, c'est bien. Il a vu un deuxième camp. Je rappelle que les cartes sont les mêmes, hein, oui. pour les deux joueurs. C'est-à-dire que si Leaf trouve cet endroit, eh bien, il aura aussi la possibilité d'avoir les deux camps s'il se déplace de la même façon. Voilà, on est à 10 minutes de run. Peut-être voir du côté Skyheart oui. Étoile, juste un instant, voir où ils en sont. Je pense qu'ils vont bientôt s'occuper de... Voilà, s'ils s'en sont pas occupés, ouais. à mon avis, on n'est pas loin. Ok, Skyheart à droite qui, j'ai l'impression, est en train de chercher dans la forêt noire. Hein. Ah donc, ouais, bah c'est très bien aussi. T'occupe hein. pas du ça. C'est vrai que tout à l'heure, c'était pas Slide qui l'avait fait. Je me rappelle que Skyheart l'avait fait, il avait trop du mal. Ouais, il avait galéré. Alors que Étoile est en train de tuer des cerfs. Après, justement. Il y a aussi la technique du on s'en fout du boss 1, on trouve à 3 où est le boss 2, ouais. et à partir de là. Ouais. Tu peux tuer le boss 1. Ouais, hein. c'est vrai. Ça c'est très intelligent. C'est plus de... Ouais, tout à fait. Ça peut être une bonne stratégie. Peut-être est-ce qu'on peut voir Slide si on a la dernière POV. Comme ça, on verra ce que fait Slide. Ah, ils font pareil, hein, donc c'est ça. Ouais. Ils font exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'à 3, ils cherchent l'information du boss 2. Et ensuite, une fois qu'ils auront cette information qui est capitale, qui est cruciale pour la run, là, on pourra se diriger vers le boss 1. Parce que de toute façon, en termes d'exécution, ça prend moins de temps d'aller faire le boss 1 que le boss 2. Exactement. Donc on sépare les groupes et on y va. Donc excellente stratégie de la part d'SSL. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent ici. Et c'est peut-être quelque chose qui pourra les faire gagner. Je suis encore au paramètre. C'est normal, il le fait exprès, donc pourquoi pour voir les arbres, il touche à rien, qui peut faire planter. Loin, exactement, de très loin, les arbres de forêt noire. Et il l'a vu, il a dit ok, il y en a là-bas, j'y vais tout de suite. Ah, je crois qu'ils ont trouvé, je crois qu'un des joueurs a trouvé, je crois. Tu crois? Parce qu'il a pingé un endroit. Il a pingé un endroit bien lointain. Ouais, est-ce qu'il a trouvé avant eux? Ok, peut-être passer sur un autre joueur côté... Je pense qu'ils l'ont trouvé parce que si on passe des autres joueurs, ils sont plus dans les forêts noires. Donc c'est-à-dire que là, ils ont tout le monde a quitté la forêt noire. Voilà. Ok, de toute façon, on va le voir. On va le voir très rapidement, il n'y a pas de souci. Voilà le pourquoi il vaut mieux travailler à 3 et après s'occuper du boss 1. C'est une excellente stratégie. Hein. J'adore le fait qu'ils aient fait ça, c'est très malin. Et jouer avec son cerveau, c'est important. Alors je vois Slide qui modifie ses touches. Kalen a 3 graines. Je vois Slide qui est dans son binding de touche. Peut-être changer de POV, ouais. la régie, s'il est en train de modifier ses touches. Du côté de Kalen, il a 3 graines, donc c'est très bien. Maintenant, il a besoin de trouver où est le boss. Tout à fait. Et, du côté des autres, je ne sais pas combien de graines ils en ont. C'est Kalen et Kenny qui sont à la recherche du boss numéro 2. Oh, ils ont trouvé. Ils l'ont trouvé. C'est Kenny qui a dû trouver. C'est Kenny qui a dû trouver l'emplacement du boss numéro 2. C'est chaud. Donc sur une run, t'es très close. Par contre, pourquoi Kalen reste dans sa grotte? Parce que là, il est en train de faire le truc de confort pour courir plus vite et pour avoir plus de stamina. Ouais, ils l'ont. On a vu sur le POV de Kenny, il l'a vu sur la map, ça y est. Donc voilà. Ils ont l'information, excusez-moi. Ils ont l'information et maintenant, c'est on court. J'espère, enfin là, c'est on court. Il faut avoir de quoi faire si on a besoin d'un bateau, du matos pour le bateau. Et sinon, c'est courir. Est-ce qu'on peut se remettre dans la POV de Kalen, s'il vous plaît? Je voudrais juste voir si. Il est en train de sortir. Non, parce qu'en fait, en gros, il a fait un feu de camp près de la grotte, donc les gens disaient « Ah, mais il est en train d'exploiter la technique interdite », sauf qu'en fait, il l'a fait pour avoir le confort et pas pour clear la grotte. C'est pour ça que je préfère expliquer, tu vois. Oui. Les gens commençaient à dire « Mais attends, il a fait un truc qu'il n'a pas le droit de faire, là », donc non, c'est pas ce qui s'est passé. Mais c'est pour ça que je voulais repasser sur Kalen. Alors, pour l'instant, les SSL n'ont pas l'air d'avoir de graines, même si on n'a pas les POV des 3 joueurs. C'est pas sûr, on n'a pas vu. Regarde comme c'est beau, là, l'écran Skyheart, là. Ah, attends, ok, on est en train de switcher. Mais ouais, côté SSL, effectivement, je crois pas qu'on ait de graines. En tout cas, dans l'inventaire de Skyheart, on n'en a pas. Il aura pas les graines parce que on va pas lui passer. Peut-être passer sur. Ça sera Leaf, logiquement. Ouais, peut-être passer sur Leaf, ouais. Surtout que Leaf. Ah, il en a deux. Je l'ai vu dans son inventaire. Ouais. Okay. Il y a 2 graines pour Leaf. Donc parfait. Surtout que Leaf, il les met dans sa barre de bind. Ouais. Donc Kalen aussi, on les voit dans sa barre de bind. Donc là, ça y est, la course est enclenchée véritablement. On a toutes les informations. Et c'est serré. Hein. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on y va en bateau? Et si on y va en bateau. Où est-ce qu'on fait le bateau? Voilà, ça c'est les deux questions que les joueurs doivent se poser, vous voyez. Et si vous avez question, si on fait le bateau, est-ce qu'on attend, on dort ou on dort pas? Est-ce qu'on y va la nuit? C'est ça, il peut y avoir un énorme biome océan entre les deux, ça peut risquer avec le serpent, etc. Cette run est propre, je l'aime bien, celle-là, elle est vraiment... Et les deux runs sont bien closes en plus, ça fait trop plaisir. Ouais.
Ça ne fera pas plaisir vos petits cœurs, évidemment, oui. ça va être dur. Hein, ça va être dur pour les supporters des deux équipes. Là, à mon avis, tout va dépendre de l'exécution du deuxième boss. Hein. Ouais, ça, c'est clair. Et il faut être honnête, je pense que c'est ces deux joueurs qui le fait le mieux. Ouais, pour l'instant. Leaf a réussi deux fois sans souci. Et je sais que en pool, c'était Slide qui l'avait fait et il avait complètement fail. Ouais, ouais. Après, ce qui paraît, il n'a pas eu de chance. Donc, je pense que ça va être encore Leaf qui va le faire. Et du côté de Kalen, je pense que ça va être Kalen. Et là, ça va être vraiment, est-ce que j'y arriverai à le faire? Est-ce que je le ferai proprement? Et il ne faut pas se fail, parce que si tu te fail, tu te mets dans un... Tu vas perdre beaucoup de temps. Donc là, pour vous expliquer ce qui est en train de se passer... ok, Étoile va invoquer le boss 1. Merci la régie d'avoir switché, vous êtes des boss. Donc on va juste regarder ce petit fight vite fait. En attendant, on a Leaf à droite, c'est bien qu'on ait Leaf à droite en même temps, parce qu'on peut voir quand est-ce qu'ils vont faire un bateau, etc. Juste la régie, si Kalen se met à faire un bateau, n'hésitez pas à re-switcher dessus, qu'on voit un petit peu où est-ce qu'il a décidé de le faire. Mais en attendant, Étoile va faire son boss 1. Alors est-ce que le no-hit challenge va-t-il arriver? Parce que Étoile nous a souvent dit, moi je suis capable de faire le boss sans me faire toucher, etc. Après, c'est pas nécessaire. Comme on a dit, faut pas trop se mettre la pression là-dessus. Même si on meurt plusieurs fois sur le boss, il y a aucun problème. Mais le plus rapidement qu'il le fait, c'est aussi bien. Mais bon, je pense pas qu'il aura pas le buff. Il aura pas le buff pour les autres. Parce alors, que pour le pas... top du top en termes d'opti, c'est de réussir à le faire avant que Kalen aille au boss. Ouais, ce ne sera pas le cas, je pense, puisqu'il est un petit peu loin. Mais c'est vrai que tu vois, s'il avait fait 2 ou 3 minutes avant, parce qu'il y a des kills de premier boss qui peuvent se faire en 6-7 minutes. Il va chercher sa troisième graine. Ah, parfait. Donc, finalement, il ne va pas gagner du temps parce qu'il est au bord de la mer pour pouvoir, peut-être, s'il a besoin d'un bateau, de prendre un bateau. Non, mais là, c'est bien. C'est bien ce qui se passe. Alors, il y a un tout petit avantage pour la Team Cake pour l'instant. Voilà, Étoile fait sa première mort. Comme on vous le dit, ça n'a pas vraiment d'importance. Il va revenir, surtout que le spawn de base est juste à côté. Donc je pense qu'il n'a même pas eu besoin de faire un lit. Je pense qu'il va réapparaître en cercle de pierre. C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais normalement, pas besoin de faire un lit pour la team Cake. On est collé. Le radeau, qui va faire le radeau en premier? Qui va réussir à... Ah non, il avait fait un lit quand même. Ok, my bad. Ça va être complexe. Hein. Ah, il l'avait fait juste à côté. Ok, alors qu'on est vraiment collé au cercle de pierre, mais il voulait pas perdre de temps. C'est tout à son honneur. Hop, il récupère sa tombe et là on a 50 secondes d'invincibilité, donc on va aller bourrer le boss, on a remis... Il faut qu'il reprenne son arme en bind, pourquoi il lui fonce pas dessus? Il l'a peut-être cassé aussi. Non, c'est bon, je sais pas pourquoi il voulait pas y aller. Bon, il est invincible, hein, donc il évite les coups, mais il perd juste de la stamina, c'est dommage. En vrai c'est un petit misplay, alors qu'il pourrait tout tanker. Il avait peut-être perdu juste de se battre à côté de son lit et de se faire détruire son lit. Mais je veux dire, la roulade pour éviter les coups, ça fait perdre de la stamina, parce qu'il faut utiliser la touche de saut pour faire une roulade qui est assez... Exactement. Qui est assez contre-intuitif. Mid HP, tout se passe bien d'un côté des toits, il a juste besoin, la run... Et pépère, il n'y a pas de problème. 13 secondes d'invulnérabilité. Invulnérabilité, tout à fait, mon cher moment, excusez-nous, il est tard. Effectivement. Alors, c'est point français, les amis. Ici, Leaf va faire son radeau. C'est imminent. Là, il est en train de longer la côte. Et dès qu'il est en face, ou alors s'il trouve un passage de terre, pourquoi pas, dès qu'il est en face, il va faire son bateau. En fait, le point important, c'est pourquoi faire le bateau pas tout de suite? Parce qu'en fait, il se rapproche de plus en plus de la terre par rapport au boss. Pour limiter le temps de navigation qui peut être très lent. Surtout que le vent. S'il n'y a pas de vent. Le vent peut être contraire, etc. Donc ça peut être un problème. Alors là, j'allais dire, je sais pas ce que fait Étoile, mais c'est Kalen qui va faire un lit. Au cas où il perd son bateau. Non, là il fait le lit, enfin un joueur intelligent. Il fait le lit, pourquoi? Pour que la nuit passe peut-être. Ou peut-être pas. Est-ce que les autres vont le faire ou pas? Est-ce qu'il fait... Ou sinon il fait le lit au cas où il meurt. Parce que non, je pense pas, parce qu'il est en train de se battre. Ah, le lit est trop exposé, il a du mal à le faire. Alors je sais pas s'il fait le lit au cas où il meurt, parce que là s'il meurt avec les 3 graines dans l'océan, c'est perdu. Hein. C'est totalement perdu. Donc. En fait, le truc c'est que est-ce que. Parce que le timing, il faut le dire, hein, il faut que les 3 dorment en même temps pour c'est passer compliqué. La nuit. Étoile est en plein boss. Et Étoile est en plein boss. Est-ce qu'on peut repasser sur Étoile vite fait, juste pour voir combien de temps? C'est quand même trop long. C'est impossible. C'est long. Alors là, la question c'est, est-ce qu'on gamble et on prend le radeau et on va naviguer? Ou alors est-ce qu'on attend le jour et on y va, d'un coup? Attends, mais est-ce que c'est bientôt ou pas? En mode full. Ça c'est la réflexion. La nuit vient de tomber. Hein. Ouais, je crois que qu'est-ce qu'il attend alors? Peut-être qu'il attend que le jour se lève. Il a pris un petit verre d'eau et tout, donc soit il attend le jour se lève. Soit il attend son pote, soit les deux. Mais je pense qu'il a trouvé de quoi il a trouvé d'où il partait. Attends, qu'est-ce qu'il lui demande? Peut-être qu'il a pas assez de bois. Ils y vont à deux, sinon. Ils y vont à deux, peut-être qu'il a pas assez de bois pour faire le radeau. Non, ils y vont à deux. Ouais, je pense qu'il avait pas assez de bois pour faire le radeau. Ouais, ou qu'il avait pas il lui manquait des ressources. En tout cas, ils partent direct. Et ils ont le vent. Ah non, ils ont à peu près le vent, c'est sur le côté. Et du côté de On peut zapper la période d'étoile, effectivement, parce que là il va tuer le boss, ce sera très intéressant. Du côté de Kalen, lui, il attend, j'ai l'impression. En tout cas, il est tout seul. Kenny est tout seul. Kenny est tout en haut. Ah oui, donc Kenny il est tout en haut. D'ailleurs, je sais pas ce que fait Kenny. Est-ce qu'il va récupérer le buff d'Ektir pour aller aider Kalen après?
Non, logiquement, il va tout seul. Est-ce qu'il attend? Là, il joue vraiment safe. Là. Kalen joue très safe. Allez, ils veulent attendre le jour. Ça va peut-être faire mal. Oh, attention, parce qu'il peut y avoir un serpent des mers pour Leaf et Slide aussi. Hein. Oui, peut-être, mais... Même s'ils sont assez en face, quand même. Hein. Ils sont assez en face. Ils ont réussi à trouver une belle ligne de navigation, Leaf et Slide, de leur côté, donc c'est pas mal. Alors qu'on me dit dans la régie que Kalen n'a pas de quoi faire un radeau, apparemment. Ah oui, c'était Kenny qui devait faire le radeau. Ah, oh, dur. Ah, Kalen n'a pas de quoi faire le radeau dans son SSL inventaire. Est très, très, très... Ça veut dire qu'SSL a pris une grande avance. Exactement. Une très, très grande avance, même. Maintenant, tout va dépendre de l'exécution. Est-ce que, du coup... Là, la seule manière qu'a Team Cake de revenir, c'est de réussir là où SSL échoue. Eh oui, c'est exactement c'est-à-dire ça. Que, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'erreur côté SSL, ils ont gagné. Oui. Là, c'est plié. Par contre, s'il n'y a pas d'erreur. Une question, qu'est-ce qui se passe si par exemple le boss apparaît sur une pierre? Eh ben, faut le taper à l'invincibilité. Faut le taper à l'invincibilité. Oui. Ah, ça fait partie du truc. Tu vois. Faut être prêt. Faut être prêt. Ça fait partie du truc. De toute façon, à chaque invocation de boss, vu qu'il apparaît dans sa zone, quoi, ça peut apparaître sur une pierre. Je pense que les joueurs le savent. À l'invincibilité, de toute façon, ça se fait. C'est juste que c'est plus long. Exactement. Ça se fait. C'est beaucoup plus long, mais ça se fait. Ah, est-ce qu'ils passent la nuit? Ah, ils sont en train de passer la nuit, je crois. Non, je pense pas. Non, 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 parce qu'il y a qui est resté dans son lit. Non, non, mais là, c'était juste pour... Ah, ok, ok. Non, non, là, il peut pas passer la nuit parce que Kenny doit courir le rejoindre. Et il a besoin de le rejoindre. Il faudrait qu'il répare son marteau aussi. Hein. S'il répare pas son marteau, qu'il a plus de marteau... Alors, Leaf et Slide sont arrivés, mais l'accueil est un peu vénère. Beaucoup de Great Wharf, mais ça va, on peut les semer assez facilement. Alors que j'ai l'impression que le jour se lève. Ah non, pas du tout, c'est la lune. C'est la lune qui éclaire, je crois. Ouais. Je crois pas que c'est du tout le jour qui se lève. Là, c'est, la lune qui éclaire bien. Tiens, il y a encore un camp, mais je crois ils ont déjà les... Wow Vélan, me gueule pas dessus dans les oreilles, là. Putain. Il m'a hurlé dans les oreilles. Pour vous expliquer ce qui se passe en ce moment même, la team SSL est très bien avancée parce qu'ils ont déjà passé le côté du radeau. Leaf va s'en occuper tout seul. Et là, s'il arrive à faire le run, ça va être très compliqué pour Kalen, Kenny et Étoile de rattraper ça. Ils ont perdu beaucoup de temps là-dessus. Ils n'ont même pas encore passé l'étape du radeau. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais là, est-ce que Leaf va réussir à faire son move ou pas? Excusez-moi, je profite. Hein. On vous a rajouté un petit peu de luminosité pour qu'on voit un peu mieux dans la nuit. C'est juste qu'il faudra faire gaffe quand il y a le jour ou quand ils sont à côté de la lumière, parce que du coup, ça crame tout. Mais c'est voilà, on m'a prévenu dans les oreilles. Un régisseur qui m'a hurlé dessus. On est maltraité. On est mal reçu. Horrible. Je plaisante bien sûr, mesdames et messieurs. Il fait froid. Vous avez vu sur l'écran de Leaf, ça n'a pas grand intérêt comme information. Il va falloir faire un lit. Est-ce qu'ils vont faire le lit? Ils n'ont pas encore fait leur lit à côté du boss, je crois. J'ai pas vu vraiment s'ils ont fait le lit ou pas. Je crois qu'il n'a pas été fait. En tout cas, on attend d'invoquer. Est-ce qu'on attend le jour? Qu'est-ce qu'on attend là? Qu'est-ce qu'on attend pour Leaf, tu penses? Ah, est-ce qu'il faut que Slide s'éloigne peut-être pour scaler le boss seul? Il aurait dû s'éloigner. Je crois qu'il est en train de s'éloigner. Hein. Ouais, mais c'est trop tard. Ah oui, il a lancé l'invocation. Ok, donc on va le tenter. En tout cas, on va le tenter, la strat de l'enfermement. Okay, je crois qu'il est réussi. C'est parti pour l'exécution, mesdames et messieurs. Ça a l'air d'être très, très bien fait. Maintenant, attention, il faut mettre les toits. Oh, il y a un Grey Dwarf. Oh non. T'as le Guadar. Est-ce que le boss s'échappe? Non, le boss s'échappe. Non, il s'échappe pas. Ok, ça a l'air d'être. Mais le problème, c'est que le Grey Dwarf qui va le gêner. Non, c'est bon, parce que maintenant il est abrité. Il est caché. Maintenant il est abrité, donc il lâche l'aggro. Donc c'est très bien réussi. Là, c'est réussi. Ok, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'équipe SSL. Donc maintenant, Kalen doit rattraper ça. Mais Kalen n'est même pas encore parti. Oula. Il se fait attaquer? Oula, attendez. Alors peut-être. Attention. Oh la vache, la brute. La brute, ça fait énormément de dégâts. Ça fait énormément. Ok. Ça veut dire que là ce qui se passe, c'est terrible. Ouais, c'est terrible pour lui, enfin. C'est terrible parce qu'il va pas pouvoir réparer le feu. Exactement. Et du coup, il n'aura plus l'initiative sur le feu, qui ne fera plus 16, mais 4 seulement. Et c'est peut-être l'occasion pour la Team Cake de revenir à Slide qui s'en veut. Hein. Leaf, qui s'en veut. Il a mis les mains un petit peu en mode. Mais ils ont quand même beaucoup d'avantages. Mais attention, ils ont encore l'avance. Ils ont encore de l'avance. Ils ont pas encore passé le radeau. Ils ont même pas fait le radeau. La Team Cake, c'est clairement un misplay d'ailleurs. Ils vont le faire maintenant. J'en profite pour le dire. Oui, tu peux le dire, mais c'est un misplay de la part de Kalen. Ils ont dû attendre énormément de temps. Ils ont pas trouvé le matos, quoi. C'est quoi? Je crois que c'est les sangliers. Il y va seul. Kalen y va seul. Donc là, c'est le gamble. C'est-à-dire que s'il se retrouve un petit peu dans la merde, il va devoir gérer son truc et tout. L'océan. On est dans l'océan, on est en pleine nuit. Là, je vous le dis. S'il y a un serpent. S'il y a un serpent, c'est fini. S'il y a un serpent. En même temps, ce sera mérité. Quand on prend la mer, la mer peut prendre l'homme. Exactement. J'ai envie de dire. Bon, là, il apparaît alors Skyheart, que le chat souffle. Skyheart est en train de faire le premier boss. Je pense qu'on peut repasser sur Leaf. On peut remonter sur Leaf, c'est le plus important. Mais merci la régie de nous avoir indiqué que Skyheart faisait le premier boss. C'est... Ah non, ok, je croyais qu'il était mort. Ah oui, j'ai cru qu'il était mort, j'ai dit what the fuck. Là, c'est du cheat là. Alors qu'est-ce qu'il va décider de le faire? Alors là, il n'y a qu'une technique.
pour moi là il n'y a qu'une technique, c'est l'invincibilité, ouais. Et puis on y va. Par contre, est-ce que Slide va retourner les dés? Pour l'instant il est seul. Oui, il va l'aider. Normalement il va revenir, mais je veux dire pourquoi il revient pas tout de suite, tu vois, c'est ça qui m'étonne un petit peu. Parce que c'est vraiment. Il avait peut-être pas fait le lit, ou il est en train de faire le lit. Ah, peut-être, t'as raison. Il y a plein de petits trucs en plus. Et là, ouais, attention. Pas faire. Bon, là, ça va prendre un peu de temps. Il arrive calé. Ça va prendre un peu de temps, d'autant qu'ils ont fait spawn le boss en scaling pour deux joueurs. A priori, ils ont fait cette erreur. Difficile d'en être sûr, mais a priori, ce serait le cas. Kalen qui va, comme d'habitude, essayer de retourner son bateau avant d'y aller. Bon, bah, Kalen en force tranquille peut rattraper. Oui, il peut rattraper. S'il fait le bon coup, il peut rattraper. Hein. Ouais. Rien n'est joué du tout. D'autant qu'après, il faut revenir avec le bateau. Et là, Kalen, vous voyez, il retourne son radeau. Donc tout ça, c'est du temps gagné après, si jamais il fait le boss. Voilà, c'est. Ça peut se jouer encore, ça peut largement se jouer encore, d'autant que ça peut prendre un peu de temps de faire l'exécution de l'invincibilité, parce qu'il y a beaucoup de mobs, on peut beaucoup mourir quand même. Et là je me disais un truc, est-ce que. Ouais, bon après il l'a fait, mais est-ce que ce serait pas mieux de faire un. Ah non, il a besoin de. Non, j'ai rien dit. Dis-moi. J'allais dire faire sa petite table et détruire son bateau. Je suis pas sûr que tu puisses détruire le radeau. Pour le refaire. Après, je pense qu'il a plus intérêt à ce que le radeau soit. Ah, tu veux dire comme direct ça. Se oui, poser. Comme ça il réapparaît, il repose direct. Enlever le remettre. Tu vois. Mais ouais, bon, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, on va faire un toit, une table de craft. Ah non, c'est même pas besoin du toit. Ouais, non, je sais pas. J'avoue que j'ai pas l'information là-dessus. Après, je crois que c'est Kenny qui a fait le radeau. Alors là, on va voir ce que ça va donner. Là, c'est maintenant. Là, c'est Kalen doit faire le speedrun. Il est au point. Ouais, il est au point. Parce ah ouais, Slide, au point, il a même pas crafté une arme. Il avait, je crois, l'arche, mais je crois qu'à force de taper, elle tire. Ah, mais s'il est au point, ça ralentit encore le kill du boss. C'est-à-dire que tout compte à partir de maintenant. Et je crois d'ailleurs que Leaf, mesdames et messieurs, a fait un lit un peu loin. Alors attention, parce que là il vient pour pop, on est d'accord. Il est un petit peu loin, ouais, ça va. En tout cas, il n'est pas du tout collé. Ouais. Alors que Kalen va lancer l'invocation de son boss, on va avoir la réponse Il a fait le lit ou pas? J'ai pas vu. Kalen, est-ce qu'il y a eu un lit de la part de Kalen? Je ne crois pas. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Bah, il all-in. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il a pas fait de lit. Il a pas fait de lit, c'est confirmé, mon cher moment. Eh ben, il veut all-in, je pense. Hein. Ah ouais, d'accord, la vache. Ok. Bon, c'est un move ultra ballsy de la part de Kalen. Allez, c'est parti. L'exécution va être lancée. Maintenant, il faut faire 4 murs. Il faut enfermer le boss. Ah, non. Placement invalide. L'Elder has awoken. Il avait plus de bois. Et c'est perdu. En tout cas, non, je crois que son marteau de craft est cassé. Voilà, c'est ce que je t'avais dit. Son marteau de craft est cassé. Il fallait qu'il répare son marteau, il l'a pas fait. Son marteau de craft est cassé. C'est un énorme misplay, mesdames et messieurs. D'autant que Kalen est tout seul sur cette île. Il vient de crafter un autre marteau de craft. Donc ça, c'est un énorme misplay. La pression, c'est la pression. Ouais, la pression, il a pas vu. Il a pas jeté un coup d'œil au haut de sa barre. C'est des erreurs qui peuvent arriver, mais qui coûtent très cher. Parce qu'il avait réussi le coup. Il avait juste besoin de refaire bien. Il aurait pu la bouler là-dessus. Ah, il va tenter de l'enfermer quand même. Malade. Il va le faire ou pas? Après, de toute façon, le feu n'est plus là. Oui, mais... Si le feu n'est plus là, j'ai envie de dire... Ah, oui. Là, ça va être très dur. Là, ça va être très, très, très dur. Surtout que c'est un all-in, il n'a pas de lit, je crois. Non, il n'a pas de lit. Il n'a pas de lit, c'est vraiment un all-in. Et tout va se jouer là-dessus. Les deux qui ont misplay. Ouais, les deux qui ont fait un gros misplay. Comme on vous a dit, ça se joue. Ça, c'est parce qu'on est en finale. Ouais, c'est vraiment parce qu'on est en finale. Les doigts qui collent, les mains qui tremblent. Donc, clairement. Alors, tout n'est pas fait. Regardez les barres de points de vie des deux boss. Hein, et ça ne descend pas. Ça ne descend pas. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on peut amener les trois joueurs pour l'aider. Il y a un point important s'ils n'arrivent pas à le tuer. Bon, normalement, 30 minutes, ça devrait être faisable. Évidemment. Normalement, logiquement, s'ils sont intelligents, ils diront les deux. S'ils sont brain, les deux doivent venir pour l'aider. Ouais, il faut tuer le boss. Faut que tout le monde. Ça va être là, c'est la priorité maximale. Là, il fait son lit. Et là, les autres doivent venir et doivent foncer. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. En fait, les deux autres joueurs n'ont rien d'autre à faire. Ouais. Donc là, il faut absolument qu'ils... Regarde le nombre de mobs côté Leaf, ils arrivent même pas à atteindre le boss pour le taper. Il y a un monde où ils arrivent pas à tuer le boss, aucun des deux. Et donc là, ce sera la team à... Ce sera la team SSL qui gagnera. Oui, parce qu'elle aura invoqué le boss en premier. Exactement. Tout à fait. C'est pour ça qu'aller chercher le prochain checkpoint, normalement les deux autres joueurs devraient venir l'aider. Mais il faut qu'il y ait le call. Est-ce qu'on peut voir les autres? Ouais, est-ce qu'on peut voir peut-être Kenny à la limite? Il faut qu'il refasse un radeau, c'est-à-dire c'est des démarches. Ah oui, c'est-à-dire un démarche. C'est des démarches, hein. Il faut refaire un radeau, mais en même temps ils ont que ça à faire. Oui. Ils n'ont que ça à faire. Donc est-ce qu'on peut passer sur le POV de Kenny peut-être? Quel côté, match. Côté gauche, Kenny qui, j'ai l'impression, se dirige sur la côte. Attends, mais où est-ce qu'il est? Ah, mais il est de l'autre côté? Attends, il est chez Kalen déjà? Est-ce qu'il n'est pas déjà chez Kalen? Non. Attends, mais si, je crois que si. Hein. Mais non. My bad. Ok, non, my il bad. Pas chez Kalen, mais okay, là... j'ai l'impression qu'il est en train de dire à Étoile, viens avec les trucs pour le radeau et moi je t'attends là et on y va. J'ai l'impression que c'est ça le plan. Parce qu'on peut passer sur Étoile, désolé la régie, hein. Désolé. La régie Étoile qui est en pleine forêt, qui est au cercle de pierre, qui est au spawn actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va être dur. En tout cas, il faut improviser. Et c'est le decision making du speedrun qui va déterminer qui arrive à être le plus malin. Ok, on peut repasser sur K
Kenny. Mais je vous le dis, vous apercevez pas, mais la pression est palpable. Hein. Ça, ouais, c'est vraiment clair. Des trucs qui ne devraient pas faire d'erreur. Là, on voit Liv qui vient de se ronger un ongle en mode oh putain, c'est chiant là, ce qui se passe. C'est un peu. Et tu vois, la barre de vie du boss ne descend pas. En tout cas, c'est une game de fou. Alors, beaucoup de misplays, c'est vrai, mais une game de fou. Le jour se lève, ça va peut-être permettre de respirer en termes de mob. Mais là, le problème, c'est qu'ils n'ont pas crafté d'armes et tout. Voilà, Slide a quand même recrafté sa hache, etc. En plus, du côté de Leaf, il n'a pas fait un peu le tour pour voir s'il y avait des spawners. Ah, non, pas le temps. Bah oui, mais il faut que tu le fasses quand même, parce que c'est pour ça qu'il y avait énormément de choses. Et là, il a réussi à faire le tour, il a tué le spawner et il y avait moins de trucs. Donc là, maintenant, ça va être je fais le lit et on va le détruire. Voilà, c'est très bien joué. Et là, ça va être le plus rapidement possible. On tape, ça va être long. Oh, mais ça passe vite, hein, ça passe vite. On a déjà fait 30 minutes de run, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes. En fait, la run est tellement intense que c'est difficile de savoir comment ça va se terminer cette histoire. Est-ce qu'on peut se remettre dans peut-être le POV de Kalen, j'imagine. Ouais, le POV de Kalen, complètement sans armes. Ouais, il fait son lit. Alors, est-ce qu'ils veulent passer le jour peut-être ? Je ne sais pas. Non, de toute façon, pour passer le jour, mais il est bloqué. Il faut que les trois. Est-ce qu'il est bloqué, je crois qu'il est en train de monter sa compétence. Mais alors, compétence de quoi ? Sans armes. Ok, il est en train de taper sans armes pour monter sa compétence. Non, mais peut-être qu'il est bloqué, tout simplement, je pense. Ah, tu penses ? Il s'est bloqué. Du coup, il essaye de taper son truc. C'est ça. Il a l'air d'être totalement bloqué. Il est bloqué. Il a l'air d'être totalement bloqué, mon cher moment. Ah ouais, donc misplay sur misplay. Il faut que c'est un toit crafté par lui-même. Hein, donc il s'est bloqué lui-même. Donc là, il faut vraiment venir aider Kalen. Hein. Il y a plusieurs choses qui montrent qu'il faut venir aider Kalen. Les deux qui choke time. Hein. Et ouais, là, la barre de vie du boss qui ne descend pas à côté Slide et Leaf, enfin, même si ça descend, c'est très très faible. Kenny de son côté qui cherche de quoi faire un radeau. Ouais, c'est ça exactement. Alors pour faire un radeau, quels sont les matériaux exacts ? Je me souviens plus, j'avoue. Je me demande si c'était pas des sangliers, mais je suis plus sûr c'est quelle peau qu'il faut. Parce qu'il y a les cuirs, c'est sûr. Ouais. Mais alors combien ? Parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire un radeau tout de suite. Mais ça se fait si on le prépare. Slide qui remord, donc ça meurt en chaîne. Il faut un drap. Il faut un drap. C'est quoi déjà exactement logiquement 6 cuirs, ouais, c'est ça. Voilà. Il faut 6 cuirs. Et 6 cuirs, c'est énorme. 6 cuirs, c'est vraiment beaucoup. Les mobs les drop pas forcément à 100%, je crois. Est-ce qu'il faut de la résine? Je crois pas. Question, il fait quoi Étoile pendant ce temps? Mais je crois qu'Étoile est en train de. Il va chercher du cuir. Je pense qu'il farme du sanglier. C'est pour ça qu'on l'a vu tout à l'heure en train de cuire des viandes de sanglier. Ça permet aussi peut-être d'avoir de la stamina et tout. Je pense qu'il est totalement en train de dégommer tous les sangliers de la map qu'il trouve. Attends, il y a un truc. Non. Quoi ? Il y a un truc que je réfléchis. Qu'est-ce qui se passe ? Le boss, il a tué le boss quand, Skyheart ? Quelques instants, là, pourquoi ? À l'instant ? Non, il l'a tué. En fait, parce que oui, mais c'est le dernier checkpoint à lui. Donc, est-ce que ce dernier checkpoint a été fait après qu'ils ont fait apparaître ? Ah, tu veux dire, est-ce qu'ils n'ont pas validé c'est ça. Les 6 premiers checkpoints avant que Skyheart tue le boss 1 ? Et auquel cas, ce serait la victoire de la Team Cake ? Exactement. Ah, c'est une bonne question. Ah, ça c'est un point important. J'espère c'est une bonne question parce que effectivement il faut valider un nombre de checkpoints et c'est seulement à checkpoint égal qu'on regarde le temps. Mais si jamais il y a un nombre de checkpoints avant, t'as raison de le dire. Effectivement, il faut voir. Mais bon, il a été tué après. Effectivement, tu as raison. Mais ça va être un point important. Mais à voir comment ça se passe. Parce que si là, ça va être. Mais bon, on verra. Il reste exactement 27 minutes pour tuer le boss. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça fait déjà 10 minutes. Ils sont deux à tirer là, ils ont deux à taper. C'est faisable, hein? Oh la vache. Mais en fait, le problème, c'est que est-ce qu'on a écrit. Oui. Je sais pas si dans le règlement, je sais plus ce qu'il y a écrit. Est-ce que c'est le dernier checkpoint validé ou le dernier checkpoint de la liste qui fait foi? Non, c'est le dernier checkpoint. Est-ce que c'est écrit dans le règlement? Oui, qu'on prenait n'importe quel. Normalement, c'est écrit dans le règlement. Il faut la confirmation parce que ça va peut-être changer l'issue de la finale. Donc, C'est sûr. Est-ce que c'est le dernier checkpoint validé ou le dernier checkpoint de la liste? Et si on l'a pas écrit, il faut prendre une décision. MDR. Bonne chance à tous. Mais ça, on en avait déjà parlé qu'il n'y avait aucune. Ah non, mais c'est si, c'est dans le règlement. Ouais. En fait, l'histoire, c'est est-ce que c'est dans le règlement ou pas? Voilà. De toute façon, un admin nous faut un admin. De toute façon. Non, mais on aura une confirmation d'un admin qui va nous dire ça. Et en plus, de l'autre côté, on ne sait même pas encore s'ils ne vont pas tuer le boss 2. Parce que moi, je pense qu'il va être tué. Hein. Je pense qu'il va être tué le boss 2. Et on me confirme dans l'oreillette que c'est Team Cake qui gagnerait. Hein. En fait, ils m'ont même pas dit c'est dans le règlement ou pas. Ils m'ont dit c'est effectivement Team Cake qui gagne à l'instant dans les checkpoints. Oui, mais le truc, c'est que si le boss 2 est pas tué. Oui, mais le problème, c'est que 26 minutes, ils peuvent tuer le boss là. Mais largement. Oui, là, ils ont envie de le tuer. Non, mais je pense que le boss 2 sera tué. Donc là, ce sera celle qui gagnerait.
le boss 2 sera tué. C'est incroyable. Ah, c'est un truc de fou. Donc là, tout se joue sur le boss 2. Ouais. C'est bien ce qu'on tout disait. Tout va se jouer sur le boss 2. C'est bien ce qu'on disait, premier, mesdames et messieurs. Parce que je pense qu'ils ont peut-être même pas le temps de... Bon, par contre, c'est qu'on aura peut-être un tweet longueur de Skyheart si jamais c'est Cake. Ça, c'est le problème, quoi. Voilà. Mais bon, les admins. Ah, c'est les admins qui gèrent. Ils géreront ça. Commentateurs. Moi, je suis commentateur, organisateur. Moi, j'ai de la route. Je vais à Montpellier. Bon, ça me concerne pas. Mais ce serait marrant, c'est triste, mais ils ont été. Mais oui, dis-moi. Ça serait parce que ils ont sont concentrés, la team SS sont concentrés pour trouver le deuxième boss, tu vois. Et ils ont mis le boss 1 plus tard. Et c'est ça qui va leur coûter la game si ils n'arrivent pas à le tuer avant. Bah comme quoi, le boss 1 doit pas être négligé. Exactement. Tu disais le boss 1, on s'en fout, on l'a beaucoup dit, ouais, mais parce que c'est vrai qu'on considérait que ces équipes finissaient les runs. Kenny a fait son radeau. Ouais, il va essayer de l'aider. Et Ryu, donc Étoile, est en train de le suivre, donc ils vont y aller à deux. Ils vont y aller à deux et ça va jouer à leur civilité. Où est Skyheart à ce moment-là? Il a fini le boss. Skyheart, je pense qu'il va pas faire son radeau. Ou alors peut-être qu'il est en train d'essayer de le faire, mais. Il descend ou pas? Est-ce qu'il descend? Non, il monte là, non? Il est en train de chercher des sangliers. Je pense qu'il cherche des sangliers, tout simplement, mon cher moment. Bon, moi, à mon avis, la team SSL est quand même bien partie. Oui, SSL devrait gagner. Ils sont quand même bien partis parce qu'ils sont en train de faire la strat invincibilité. Ça y est, ils ont le stuff. Ils ont mis du temps à y retourner, on va dire. Mais là, ça y est, ils se sont set-up. Ils ont fait leur truc. Ils ont les lits juste à côté. Là, Kalen est juste en train d'attendre Kenny et Étoile. Par contre, le boss de Kalen est scalé pour 1 et ils vont être 3 dessus. Ouais. Alors que le boss de Slide Elif est scalé pour 2 et ils sont à 2 dessus. Donc, est-ce que tu peux expliquer le scale? Parce que les gens vont peut-être arriver... En gros, le boss a été pop avec les points de vie, considérant qu'il y a deux joueurs qui peuvent taper dessus. Donc il a plus de points de vie. Ouais. Et le boss de Kalen, lui, a été invoqué alors que Kalen était tout seul. Donc il a moins de points de vie que le boss de l'équipe de Skyheart. Et c'est un choix qui est assumé. Donc là... C'est celui qui choque le moins. Hein. C'est pas celui qui a joué le mieux, c'est celui qui a choqué le moins. Là, clairement, on peut pas dire que c'est une run pixel perfecte. Là, c'est vraiment à celui qui fera le moins d'erreurs, parce qu'il y a eu tellement d'erreurs depuis le début. Que quelqu'un vienne ici et dire que c'est RNG là, sur cette run. Ah ouais, là clairement, il n'y a pas d'RNG, il y a eu tellement de misplays. Surtout qu'ils ont eu les informations quasiment en même temps. Ils sont arrivés sur les îles quasiment en même temps, les graines quasiment en même temps. Kenny et Skyheart sont en train d'arriver. Kenny et Kalen, pardon, sont en train d'arriver sur l'île de Kalen. Là, ils vont faire l'île. Mais c'est pas fait encore. Non. Attention. Il reste 23 minutes. Parce que là, regardez, l'aîné côté Slide et Leaf. Ah, ils ont fait leur lit vachement loin. À mon avis, ça, c'est une erreur. Ils ont fait leur lit tellement loin. Regarde le temps qu'ils mettent à revenir. Ils continuent de le détruire et le faire à côté. Hein. Et ouais, ils pourraient le recycler et le refaire. C'est dommage. On va voir ce que ça va dire. On va voir le decision making des côtés de l'autre côté. Comment ça va se passer? Ouais. Il reste 23 minutes 30 secondes. Rien n'est fait. Ils ont le vent contraire là, Étoile et Kenny. Donc, pas l'avantage du vent. Là, ils peuvent dropper leur radeau, ils s'en foutent. Ils font foncer là. Kalen est en train de baisser un petit peu les barres de vie, mais pff, il est full life, hein. Il a régène quasiment full. De toute façon, il n'est pas allé le taper pendant longtemps, donc le boss régène un petit peu quand vous ne le tapez pas, c'est très léger, mais il régène un tout petit peu. Là, Slide et Leaf sont à donf. Voilà, il y a 50 secondes de burst free puisqu'ils ont l'invincibilité, donc là ils vont bien le bourrer, mais il faudra quand même quelques allers-retours. Oh là là, quel match! Ça, c'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est vrai que là. Ils ont débarqué, à voir, il faut qu'ils fassent vite leur lit, il faut qu'ils y aillent vite, ouais, ils commencent à prendre l'invincibilité. Moi, je dirais pas encore que Cake a pris l'avantage. Non. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. 22 minutes, ils peuvent encore l'utiliser, ils sont déjà mid-HP. Mid-HP, hein. Oh, ouais, ils sont mid-HP, en gros, ils font à peu près un quart de point de vie par invincibilité, là, les SSL. Donc là, il faudrait encore peut-être deux spawns, je dirais. Moi, je dirais qu'il faudrait deux allers-retours de cadavres, voilà, morts. Les deux joueurs sont morts, donc là, il faut revenir encore deux fois. Ouais. Alors que du côté de Kalen, là ce qu'il faut faire, je vais pas le dire trop fort, mais il faut vraiment que Étoile et Kenny fassent un lit très près du boss. Là il pourrait même bloquer là maintenant. Après t'as plus l'initiative, autant jouer à l'invincibilité. Alors Étoile et Kenny, clear des mobs, pourquoi pas, peut-être qu'ils veulent, ils font les lits en même temps. En fait ils veulent surtout essayer de pas mourir. En fait, il faut pas mourir avant de poser son lit. Ça, c'est le gros problème quand même. C'est-à-dire qu'il faut pas dire n'importe quoi. Alors, parce que Étoile n'a pas fait son lit. Étoile n'a pas encore fait son lit. Oh, le méchant garçon, il faut faire son lit. Ouais, fais ton lit, sinon t'es puni. Il faut faire son lit. Effectivement, Slide qui check ses amis Steam au cas où on lui donne une info. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais. Non, parce que Shift et Tab peut-être sur lui. Ah oui. Il voulait courir, donc il utilise Shift. Je plaisante évidemment. Je plaisante. Les infos, enfin pas les. Remake, je pense, remake. Est-ce que les deux lits sont faits? Je crois que oui. Je suis pas sûr que Étoile l'a fait. Alors, j'ai l'impression que Étoile est en train de regarder dans son inventaire qu'il n'a pas assez pour faire le lit. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'invincibilité avant d'y aller. Il a fait son lit, j'espère. Non, mais là, s'il a pas fait son lit, c'est. Évidemment. Attends, bah, évidemment, dis pas évidemment. Mais moment, quelqu'un oublie réparer son marteau, s'il te plaît.
s'il te plaît, ne me dis pas évidemment. Mais là c'était volontaire, on l'a bien vu. Ok, Kenny s'est mis à taper le boss, il a pas l'invincibilité, donc lui il a décidé d'y aller direct alors que Étoile a préféré prendre l'invincibilité avant d'y aller. Bon, c'est un peu dommage qu'il perde des secondes d'invincibilité. Ça y est, Kenny a déposé sa tombe au pied du boss, maintenant il va falloir qu'il revienne, prendre sa tombe, qu'il prenne l'invincibilité. Il avait pas fait son lit. Étoile n'avait pas fait. Non mais je pense qu'il avait pas les ressources. Je pense qu'il s'est suicidé parce qu'il s'est dit j'ai pas les ressources, je me casse. Il s'en fout, il peut taper du bois pour. Non là je comprends je pas. Je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Moi je pense qu'il avait pas les ressources et qu'il pouvait pas aller chercher les ressources là où ils étaient parce que c'est full forêt noire. Ouais, non, enfin. Ouais. Mais c'est pas que du bois. Bah, de toute façon, il aurait pas hint pour rien. Je sais pas. Mais non, mais il a pas hint pour rien. Non, peut-être pas. À un moment, les joueurs ont un cerveau. Mais pourquoi il aurait fait ça? Ce ne sont pas des trolls, évidemment. Il s'est clairement laissé tuer, donc je pense qu'il s'est dit je peux pas faire le lit, tant pis, je vais servir à rien ici, au revoir. Par contre, il aurait pu aller donner quelques coups, quitte à se tuer. Oui, mais le truc, c'est que dans l'île où il était, il aurait pu s'éloigner pour chercher le matos qu'il fallait. Moi, je pense qu'il veut jouer à Worms. Ils vont peut-être exprès pour le show match, je pense. Moi, je pense qu'il veut juste jouer à Worms. Il reste 20 minutes. 20 minutes. Est-ce qu'ils arriveront à tuer le boss avant 20 minutes? En tout cas, tant de choke. Je ne comprends pas. Là, je. Non, mais là, en 20 minutes, le boss mourra, hein, à 100%. Logiquement, oui. Côté SSL, il mourra. Ouais, SSL va gagner. On n'en est pas sûr côté cake, par contre. Mais SSL, ils tueront le boss, c'est sûr et certain. Donc pas du tout, les gens disent qu'il y a quand même un avantage cake. Alors non, parce que vous oubliez la barre de points de vie quand même. Oui, oui, non mais là, 20 minutes, ils peuvent le tuer avant. Il sera mort. Où on est, où Skyheart? Il est resté à la base, hein. Lui il veut même pas rejoindre, j'ai l'impression. Ils sont mis d'accord, je pense. En fait, Skyheart est totalement AFK, j'ai l'impression qu'il a, enfin, il a même rien dans sa barre d'inventaire, sauf, enfin, je sais pas pourquoi on la voit pas en plus, on est censé la voir. Mais j'ai l'impression qu'il est juste tout nu et qu'il court dans les champs en ramassant des cailloux, donc ce qui est je pense pas le cas, sinon il serait juste AFK immobile en train de regarder ses potes. Ouais. Mais s'il n'a pas arrêté de jouer, c'est bien qu'il fait quelque chose d'utile pour son équipe, je n'arrive juste pas encore à voir quoi. Et oui, il est nu, Skyheart est nu. Bon, on en est où? Kalen qui est au 3 quarts, au 3 quarts. Slide, bon, c'est vrai que comme tu dis, l'aller-retour, là, c'est très très long. Ils sont très loin. C'est très loin. Ils sont donc, très loin. Honnêtement, j'espère que... Enfin, t'imagines le temps perdu de Slide et de Leaf à se balader dans la forêt là? Non, mais je te dis, normalement il le tue, mais s'il le tue pas... Il le tue. Non, il le tue. Allez, 20 minutes. 20 minutes, il le tue. Ça fait 10 minutes quand même qu'ils ont... Après, ils sont deux. Qu'est-ce que fait Kalen? La régie qui m'avait dit avant le match, après c'est quand même cool parce que c'est des équipes en général, ils clear en Valheim en 30 minutes, ça permettra quand même bien d'enchaîner. Mais normalement, les deux auraient dû finir presque en même temps en fait. Ça va la régie ou quoi là? 1h du mat, BO7, let's go les gars. Bon, moi je suis content, mais c'est vrai que la régie c'est une sacrée journée pour eux et ça commence à être compliqué. On va peut-être voir des transitions cubiques apparaître à des moments. Le boss est un peu régène là, côté Slide et Leaf. Ça commence à puer un peu, hein. Ça commence à doucement puer, hein. Ça commence à sentir le cul un petit peu côté SSL, là c'est vraiment une odeur, hein, une odeur d'excréments, hein, voilà, qui commence à arriver au nez eh bien, des joueurs. Le problème vraiment c'est que minutes, c'est ce qu'ils tellement arriver à de finir. Temps, tellement de temps de travel time, c'est incroyable. Ça, j'en perds mes cheveux. Le temps qui... c'est peut-être pas la run qui... bref, le temps qu'ils mettent à revenir, on enchaîne sans transition, le temps qu'ils mettent à revenir, mesdames et messieurs, est considérable côté Slide et Leaf, alors que côté Kalen et Kenny, ils s'y mettent... Alors le truc, c'est est-ce que Étoile va chercher de quoi faire un radeau? Genre, est-ce qu'il tente le coup? Non, mais non, je... En même temps, il a que ça à faire. Mais attends, je... On est d'accord qu'il a que ça à faire. Oui, mais je comprends pas pourquoi il s'est suicidé. Il faudra lui demander. Parce que l'île, elle est grande, enfin, il aurait pu faire le tour pour peut-être trouver... Alors, imagine si... Il a fait son lit, qu'il pensait avoir dormi, mais qu'il a pas dormi. Non, c'est pas vrai, qu'il a pas. Tu vois ce que je veux dire, qu'il a cru avoir appuyé. Non, moi je pense juste que il a cru que Kenny a fait deux lits. Moi, je pense qu'il a appuyé sur le lit de Kenny. Oui. Et il s'est dit, c'est bon, j'ai mon spawn. Et il s'est suicidé. Mais non, il a pas pu suicider parce ici. Parce que non, le truc, c'est que s'il a fait ça, alors qu'il aurait pu tuer il y a trois non, c'est impossible. Le boss, c'est que. Oh, ils sont mid life. Hein. Team Cake, ils l'ont mis mid life. Hein. Ça avance très très bien. Ça avance. Minutes, et j'ai l'impression que tu sais ce qu'il est en train de faire. Ils essayent même de taper, même quand. Non, j'allais dire même quand il meurt pas, mais j'avais l'impression qu'ils essayaient de faire pas une run no hit, mais tu sais, parce que là, ils ont fait les lits juste à côté de la Team Cake. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ils savent pas, là. Les joueurs ne savent pas ce qui se passe. Là, ils savent rien. Les deux joueurs savent rien. Et en plus, ils se disent attends, mais on est à 17 minutes, personne n'a fini. Ouais, ils s'énervent. Mais tout le monde s'énerve, bien sûr. Mais ce qui est étonnant, c'est que les deux teams doivent se dire non, mais là, de toute façon, on joue pour rien, on a trop de retard. Et en fait, non, ça continue et personne ne ramène le trophée. Ah, ça va être incroyable à regarder en termes de rediff pour eux. Ils vont se dire oh la vache. Non, mais déjà, je te le dis, rediff. Ils vont s'en mordre les doigts. Parce que là, c'est pas RNG, c'est rien du tout. C'est vraiment du. Ah, c'est misplay sur misplay. Des incompréhensions, je pense. Ouais, non, mais plus besoin de raider l'étoile. Hein. Il est juste... Ok, je pense que c'est fini. Je pense que Cake va tuer le boss et qu'ils vont ramener la tête. Pas sûr encore. Regarde, ils égalisent quasiment les points de vie là. Et ça, tu sais, c'est lié à une seule chose. Deux choses. Pour moi, une chose, la distance des lits.
Non, et autre chose. Et les points de vie du boss qui sont laissés chez Khaled. C'est les deux. Mais ça, on n'en est pas sûr à 100%. Si. Ouais, tu penses quand même? Mais c'était trop proche pour moi. Ouais, moi je pense aussi, mais c'est dur d'en être sûr à 100%. Donc voilà. C'est pas fini. En tout cas, il le rattrape. Il le rattrape parce que c'est incroyable à quel point c'est close. C'est chaud. Mais c'est un truc de. Donc là, sachant que tuer le boss en premier, c'est hyper important parce que s'ils n'arrivent pas à ramener la tête, c'est le kill time du boss qui fera foi pour gagner la partie. C'est-à-dire que là, s'ils slide. Si la team SSL tue le boss avant, c'est eux qui gagnent. C'est incroyable. Si Khaled et Kenny tuent le boss avant, c'est eux qui gagnent. Mais après, ils ont le temps. Enfin, là pour moi, c'est incroyable. Pour moi, ils le tuent avant 10 minutes. Il y a aussi, le vent. Il y a le vent pour ramener la tête, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Je pense qu'on ramènera pas la tête. Je pense que oui. Je pense que c'est le kill du boss qui fera foi. Moi, je pense qu'il. Ah ouais, tu penses qu'ils vont le ramener? Ouais. Ok. Vas-y. Et tu sais quoi? Je fais le call. Je pense que c'est à cause du vent que quelqu'un va gagner. Ah ouais? Parce que le vent est RNG. Là, oui, là, clairement. Bon, après, blame la RNG après 45 minutes de run. Oui, au bout d'un moment, t'avais qu'à le tuer avant ton boss. Ça, ouais. Bon, respecte-toi. Mais là. Les points de vie baissent. Et mais là, le problème, c'est qu'il y a un long aller-retour à faire. Voilà. Et là, en fait, c'est ce fameux dernier respawn dont je te parlais. Mm. Parce que là, s'ils reviennent, ils tuent le boss, les SSL. Ça, on le sait tous, il n'y a pas de problème. Mais combien de temps ils vont mettre à revenir? Putain, c'est incroyable cette run. Elle me rend fou, en fait. 34 secondes. Est-ce que dans les 34 secondes de cette invulnérabilité, la Team Cake va tuer le boss? C'est ce qu'on va voir. Ouais. Et je pense que oui. Je pense, mon cher moment, que là. Les 15 minutes, ils peuvent le ramener. C'est le moment. Et là, ça va, je te dis, ça va. Ils sont sur la côte avec leur lit, ils me rendent fou, les SSL. C'est terrible. Incroyable ce qui se passe, je vous le dis. Hein. Oh, ils vont réussir à le tuer, il reste 12 secondes, ouais, ils peuvent le tuer. Sauf Kenny est mort, mais il va arriver. Ouais, c'est bon. Ouais, 9 secondes, ça va le kill. Et là, c'est le vent. Hein. Le vent. Hein. Mais même pas que le vent, je pense que ça va être compliqué même pour le kill global. Hein. Ok, attends, il reste une seconde. Kenny mort. Attends. Kenny va arriver, c'est Khaled qui est mort. Ah, parce qu'il se relaie. Il se relaie un petit peu. Enfin, il se relaie pas vraiment, il fonce quoi, il tape. Hein. Il tape. C'est marrant, j'ai vu Leaf tourner sa tête vers nous et vers l'autre équipe un peu en mode. Les deux, un peu en mode, j'ai l'impression qu'on a perdu, mais en fait, la game se termine pas. C'est pareil. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil, les deux, les mêmes visages. C'est trop marrant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue vraiment pour les deux équipes qui voient qu'elles jouent depuis longtemps, elles font plein d'erreurs et elles se disent, mais l'autre équipe a toujours pas gagné, qu'est-ce qu'ils foutent? Je pense que. Attends. Ok, le kill boss. Kill boss pour Kenny. Kill boss pour Kenny et Khaled, ça y est, maintenant. Oui, mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas terminé. C'est pas encore terminé. Non, loin de là. Hein. Il reste 14 minutes, de run. Et ça peut se jouer encore parce que maintenant, faut ramener le trophée. Faut ramener le trophée à la maison. Faut ramener la coupe à la maison dans tous les sens du terme. Oui, c'est pas fini parce que c'est bientôt la nuit. Il y a le biome océan, il y a le serpent. Ouais, il y a le vent. Est-ce qu'il y a la nuit? On est en nuit là? Je crois que ça commence. Ok, le boss a été tué côté SSL. Ouais, les deux boss sont terminés. Oh, allez, alors là, c'est la course. Celui qui fait le meilleur run, c'est maintenant. C'est sur la même map, là, il va falloir souffler. Ça va jouer en dernière seconde. Ouais, je vous le dis, ça se joue. Le vent est du même côté des deux équipes. Le vent est du même côté. Il se passe la même chose. On a vent contraire des deux côtés, pour l'instant. Attends, il faut arriver sur la côte pour en être sûr. Oula, il vient de tourner côté Leaf. Mais côté Kenny et. Côté Kenny Khaled, en tout cas, le vent n'est pas pour eux. Ouais, le vent, comme j'ai dit. Mais attends, parce que de l'autre côté non plus, le vent n'est pas pour eux. Donc pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas grave, lui qui a le trophée, il s'en fout. Il lui a dit, vas-y, pars, je m'en fous. Je pense qu'il y a eu le call de, vas-y, pars, c'est pas grave, pars. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est la nuit? Non, c'est pas la nuit. On n'a pas le vent. T'es sûr? On n'a pas le vent, mais. Non, c'est pas la nuit. C'est incroyable cette game. On est en train de faire tomber la nuit. On est en train de faire tomber la nuit. Elle est incroyable cette game. Ouais, elle est incroyable. La game est folle. Par contre, attends. Par contre, il est où le radeau? Il y a plus le radeau? Non. Il va mourir dans l'eau? Non, il va pas mourir dans l'eau. Le radeau, il sait pas où est. Oui. Peut-être qu'ils l'ont recyclé. Peut-être qu'ils l'ont recyclé pour le refaire. Pour le lit peut-être, ils ont oublié. Où est le lit? Où est le radeau? OMG. Ils ont peut-être détruit le radeau pour faire un lit. Ah, par contre, s'il y a plus de radeau, ça va être compliqué. Ils ont plus de radeau? Ah, s'il y a plus de radeau là. Ah, mais je sais, peut-être qu'ils ont perdu le radeau parce qu'à force de pop, il est. Ouais, les monstres sont arrivés, ils ont tapé peut-être le radeau. Alors normalement, le radeau, si tu le mets bien, tu peux faire qu'il n'est jamais tapable par les Grey Dwarfs. Peut-être qu'ils l'ont trop mis sur la côte, parce que tu vois qu'Alain, ils le mettent un peu toujours pixel de l'eau pour pas qu'il aille être tapé par les créatures. Et là, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Je me demande si il avait pas enlevé le radeau, et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort, mais il a pas pris tout ce qui était dans le truc, et donc c'est-à-dire que dans un des cadavres, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Grotte de troll, je sais pas ce qu'il fout. Je sais pas ce qu'il est en train de foutre. Est-ce qu'il avait caché son radeau dans une grotte de troll, mesdames et messieurs? En tout cas, Khaled est en train d'arriver sur la côte, mesdames et messieurs. Je sais pas si c'est lui qui a le trophée, je pense que oui. Là, c'est chaud, hein. C'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? C'est chaud. Est-ce qu'on peut voir la. Ah non, les POV sont bien. J'ai même pas envie de switch. Hein. Là, il y a pas de. Bon. C'est lui qui a la tête ou c'est. Est-ce que c'est Leaf qui a la tête, le trophée? Je sais pas. Attention, ils n'ont pas encore fait de radeau.
Je suis vraiment super étonné quand même. Ou alors, est-ce que c'est Skyheart qui va venir en radeau les chercher? Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est encore un gros misplay. Ça, c'est sûr. Misplay sur misplay. Encore une fois, c'est un énorme misplay de la part de l'équipe de Skyheart. Et voilà, on va encore faire un radeau. On va faire un nouveau radeau. Il faut le tourner dans le bon sens, par contre. Hein. Voilà, c'est bon. Il a été tourné dans le bon sens. On y va. 11 minutes. Mais là, a priori, c'est plié. A priori, à tout moment, attends, il fait noir. Il fait noir, mais on n'est plus dans le biome océan. Oui, non, attends, on est plus moi je te dis, il y a un call qui va se passer, ça va être triste, ce que je veux dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Kalen, il peut mourir là. Ouais. Non, ouais, bah, et c'est-à-dire qu'il réapparaît de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il va demander à Étoile de faire tout le chemin pour aller chercher. Ah, si vous n'avez pas prévu le coup. Après, mourir de quoi? Mourir de vieillesse? Non, mourir juste de se faire tuer. Jamais de la vie. Oui, normalement, non. Normalement, impossible. En plus, regarde, il y a Kalen et. Oh, bien joué, Kenny, qui a cassé son lit pour réapparaître au cercle de pierre et venir booster Kalen en termes d'endurance. Bon bah là il faut pas qu'on crie trop, voilà, mais il faut pas qu'on crie trop, mais là il faut courir, hein. Il faut courir, hein. Là faut, là tu cours et tu te retournes jamais, quoi. Ouais, ah, c'est maintenant que tu dois courir, celui qui court. Là c'est chaud, effectivement. Il va, oh, il profite du bœuf de repos. Vraiment? Oh, il est, oh la vache. Non, pas non plus joué. Non, c'était juste pour se sécher. Ouais, parce que il avait croisé le jus, il était tout humide. Ouais. Oh, et là Kenny et Étoile, ça se joue dans 3 minutes près, quoi. Ouais, là, Kenny et Étoile vont tout simplement aller chercher... Ils vont essayer de chercher cette finale. Ils vont essayer d'y aller. Ça va être chaud. Alors, la régie, je pense qu'on peut mettre la cam de la Team Cake sur la POV de Leaf, à mon avis. Je pense que ça peut être assez intéressant, d'autant que là, on ne pourra plus... On pourra plus gagner la game. Donc, ça va être rigolo de voir un petit peu leur réaction, leur tension. Ils arrivent, hein. Là, c'est fini dans 20 secondes. C'est fini dans 30 secondes, là. Non, pas 20 secondes, mais c'est fini dans... Dans 3 minutes, effectivement, il y a un cadreur de chaque côté. Au cas où. Kalen est en train de ramener tout ça. Alors, il faut être boosté. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont tenter le boost par le buff d'Ektir. Donc, le buff d'endurance. Les deux joueurs vont pouvoir courir. Oh, c'est fini dans moins de 2 minutes. Fini dans moins de 2 minutes. Cette run, c'était celui qui avait le miss... Mais par contre, quel run de merde. on peut en parler maintenant. Oui, on peut en parler. C'est des runs de merde des deux équipes. Quel run horrible. Ils ont été vraiment horribles. Ils ont très mal joué. Mais c'était serré de ouf, en fait. C'est serré de ouf. Ouais, c'est compliqué, hein. Effectivement, là... Ils peuvent que s'en mordre les doigts. Hein. Oh, les deux joueurs. Les deux équipes. Les deux équipes ont fait des runs horribles. Et moi, je veux que alors qu'elles avaient toutes les informations. Et je veux comprendre ce qu'a fait Étoile aussi. Elles avaient toutes les informations. Bon, de toute façon, je pense qu'il racontera plus tard. Hein. Là, il y aura surtout... Je pense qu'il s'en foutra totalement. Hein, pour l'instant. Il est... Ouais. Si tu vois ce que je veux dire, ce sera peut-être pas la priorité de cette fin de game. Il s'en fout, je pense. C'est quand même loin. Oh, c'est si c'est loin, loin, c'est loin. C'est loin. C'est si loin, mesdames. C'est pas sûr. Hein. Attends, est-ce qu'ils en sont où les autres? On va juste voir. C'est si loin. Ouais, ok, vas-y, allez. Basculons sur la POV de Leaf. La POV de Leaf, à la place de notre captation vidéo. Oui, parce qu'on a encore 2-3 minutes. Hein. Ouais. De toute façon, on pourra prévenir. La tête de Leaf. Enfin, pas la tête de. Régie, si vous nous entendez, on voudrait voir le POV de Leaf en même temps et rebasculer en caméra. Je sais pas qui porte le. Je sais pas qui porte le trophée de l'autre côté. On avance. On a eu le buff d'Ektir avant, je crois, peut-être. Mais c'est pas les faire, c'est Slide. C'est peut-être Slide. Lequel est en train de courir. En fait, voilà, on veut la POV de la team de Skyheart. Attends, mais est-ce qu'ils sont arrivés? Ok, c'est. Ouais, il court là, c'est Skyheart, je pense. Ok, c'est peut-être Skyheart, effectivement. Il court vite. Qui possède le trophée. Non, je pense pas que ce soit lui parce qu'il a très peu d'endurance. Si, c'est lui. Si, c'est lui. C'est lui. Ouais, c'est lui. C'est lui. Ok, il a le buff d'Ektir en plus. Non, il l'a pas. Il a pas le buff d'Ektir, ça peut pas être lui. Tu penses que c'est. Si, il est là. Non, non, ça c'est le cooldown de son spell pour pouvoir le claquer. Mais il l'a pas en buff. Alors que Kalen, tu vois, on voit qu'il l'a. Donc, il l'a utilisé juste avant. Attendez, c'en est où là? Oh, la vache. Est-ce qu'il y a un truc qu'il aurait pu faire, c'est de mourir ici pour prendre la tombe et pour être... Attention, hein. Ah, c'est incroyable. Ça court tous les deux, hein. Peut-être l'autre, il court beaucoup plus parce qu'il s'est entraîné à faire que courir. Et donc, il a monté sa compétence de stamina. Ah, tu penses? Bah oui, non, mais c'est possible. Ce serait... Et qu'il a aussi... C'est très stratégique. Et qu'il aussi, il est mort pendant le trajet pour pouvoir après le repop et pour être invulnérable et courir vite. Hein. Est-ce qu'on est sûr que c'est Kalen qui a le trophée côté oui. Côté cake? Parce qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus avancé. Étoile, oui, non, c'est étoile, mais il va venir le chercher, effectivement. Donc oui, on est à peu près sûr. On est vraiment pas loin quand même. On est pas loin du tout. Hein. Oh, les deux joueurs sont prochains. Les deux joueurs sont proches. Team Cake a un peu d'avance, mais ouais, ils ont quand même pas mal d'avance. Mais on est si proche. Une minute près. On est si proche. Alors là, Kalen, il faut qu'il arrête un peu de courir et ensuite qu'il reprenne pour pouvoir y aller. Il va être rebuffé et tire, je pense. Ouais, on est proche du cercle de pierre. On n'est pas loin. On peut rebasculer sur la cam, je pense. Ça va être fini. Et les autres sont pas loin non plus, mais ils sont à. On va aller déposer le trophée sur le cercle de pierre. On est collé. C'est incroyable. On est vraiment. Incroyable cette run de merde. On est vraiment ouf, quasiment. Hein. En même temps, oh là là, c'est là. Ils vont aller poser leur trophée bientôt, et là, ce sera quasiment fini. Là, ils l'ont pas. Il faut qu'ils le posent.
faut qu'ils posent le trophée pour valider. Mais c'est validé. C'est validé. C'est gagné. L'Asylum est remporté par la Team Ken, mesdames et messieurs, après une run de Valheim horrible. Une run horrible, mesdames et messieurs, mais c'est la Team Cake qui va remporter ce BO7 avec un score de 4-1. Ouais, c'est beau, c'est Ils n'auront fait aucune erreur à part le jeu qu'auront piqué leurs adversaires. Ouais. 4-1, mais ça deux runs horribles. Wow. Il restait 6 minutes de jeu. Les deux équipes qui ont eu des runs catastrophiques, ça va être évidemment les poignées de main des deux côtés. Incroyable, incroyable, ouais. Étoile qui décompresse. Il est long, hein. C'est beau, il mérite. Cette Zilan qui est gagnée. Qui est gagnée, ça veut dire qu'il y a une belle, hein, pour la prochaine Zilan. Hein. Ouais, ils sont déçus, forcément, l'équipe de Skyheart. Ils ont été dépassés. Oui. Ils ont été dépassés. De peu, par contre. Incroyable. De peu sur tous les jeux. Sur tous les jeux. C'est vrai. Sauf Battle Ride. Pétanque de points. Trials Rising de points. Trials de points. Et là, 1 minute. Trackmania, bon. Team Cake était devant. Et ici, une minute. Une minute, peut-être même quarantaine de secondes. Ouais, 30 secondes. Mais sur une run horrible, sur laquelle, s'ils avaient joué leur jeu, honnêtement, ils auraient mis 20 minutes d'avance. Incroyable ce qui s'est passé, hein. Incroyable. C'est un truc de fou. C'était quelle ouf. Finale. Quelle finale. Une finale qu'on croirait à sens unique, ouais, en voyant le score. Parce que honnêtement, le score rend pas honneur à cette finale qu'on a eue. Il y a un 4-1 effectivement. Les gens qui vont se lever demain matin qui vont dire: ah, ils ont gagné 4-1, ils les ont massacrés. Pas du tout. Pas du tout, vraiment pas. Ça s'est joué à que dalle. On n'aura pas de Worms pour finir cette Zilan, malheureusement. Pas de Quake, effectivement. Incroyable. Et finalement, le top 2 qui a été détruit. La malédiction est levée. La malédiction est levée de la part de Kenny. Ça, c'est la grande histoire. La grande histoire de cette Zilan, évidemment. Les joueurs sont contents, c'est normal, c'est un truc de fou. Ouais, félicitations à eux. C'est un truc de fou. Et félicitations aussi aux deuxièmes, hein, parce qu'ils n'ont pas des. Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'on oublie souvent les deuxièmes, mais honnêtement, ils ont tous mérité. Je suis en train de mettre mon oreillette pour aller discuter avec eux. Pour aller surtout remettre les trophées, en fait, parce que c'est ça, il faut surtout jouer ça, hein. Mesdames et messieurs, quand même. Incroyable, félicitations à tous ces joueurs, à tous les joueurs qui ont aussi participé au tournoi. Skyheart qui. Je rappelle, enfin Skyheart et Étoile qui confirme la théorie que 100% des joueurs qui gagnent les Zilan portent des chemises. Oui. Voilà. Tu vois, ça rigole déjà, ça rigole déjà. Si je voulais Quake, ça serait joué sur Worms. Ouais, exactement. Parce que logiquement, ils avaient l'avantage. Et c'est ça qui me plaît dans la Zilan, c'est le côté ultra bonne ambiance où les joueurs, bah voilà, ils se connaissent tous, ils ont traîné les mêmes jeux, ils savent ce qu'ils ont enduré chacun. Donc c'est ça qui fait plaisir à voir, de voir que les joueurs, malgré tout, tout de suite après, redescendent et là, ils parlent de leur run, etc. Mais alors, quel run horrible! Incroyable. On en reparlera dans les débriefs, hein, deux, hein. Quand on fera des débriefs de RPZ, des Zilan, effectivement. Quand j'arriverai à mettre mon oreillette, promis, j'irai chercher les trophées. Ça fait environ 10 minutes que je mets cette oreillette, le speedrun oreillette de ma part. Joli speedrun, hein. World record, c'est bon, j'ai réussi. Écoute, mon cher Emmanuel, vas-y, fais-toi plaisir. Je vais aller remettre le trophée, mesdames et messieurs. Il te faut le micro, juste là. T'as des micros sur la table si tu veux. Mes chers amis en régie, je me saisis du micro 4 pour que vous soyez au courant. Et t'as un autre micro si tu veux. Voilà. Bon, j'y vais discrètement. J'y vais discrètement. Suis-moi. Messieurs, s'il vous plaît, la Team Cake, venez avec moi pour fêter ce sac. En fait, je voulais vous les amener, mais il y en a 3, j'avais oublié. Voilà. Je vous invite à prendre vos trophées, mesdames et messieurs, devant, près de 180 000 viewers, la Team Cake soulève son premier titre. Cette Zilan qui est remportée avec un score qu'on croirait haut la main de 4-1. Mais alors, quelle finale exceptionnelle! Bon, on va voir. Je vais prendre un mot de chacun. Je vais prendre un petit mot de chacun. Et si t'es en état de parler, mon cher Étoile. Alors, raconte-nous. Ah, on entend le public derrière, Team Cake qui crie. Bon, des mots rapides, on va pas vous gonfler trop longtemps. Évidemment, l'euphorie, bien sûr. Quel run horrible. Mais par contre, quelle finale de fou au global. Ouais, en vrai je suis trop heureux parce que généralement ça aurait été moi qui voulais give up. Et là en fait il s'est passé des dingueries, je leur ai dit mais les gars imaginez. Et en fait ils étaient un peu down au début, je leur ai dit mais attendez, mais s'ils gueulent pas, c'est à dire qu'ils ont pas... La game ne s'arrête pas. Bah ouais. Et du coup je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fait, j'ai jamais pris de bateau de ma vie sur la strat. C'est la première, on a 40 heures de jeu, j'avais jamais pris de bateau moi parce que généralement c'est les deux. Et j'étais en mode bah on fait quoi frère. Et je suis arrivé avec mon couteau et je faisais allez Kalen va vite et voilà. Kalen, justement, ce marteau qui n'a pas été réparé. Quel énorme misplay. Tu t'en es beaucoup voulu, j'imagine. Comme a dit Étoile, hein, j'étais en mode, bah c'est foutu, les gars. Tu as quitté la game. Bah clairement, genre, en fait, j'ai jamais loupé ce setup. Et le setup allait être réussi, c'est le marteau qui me fait défaut.
et j'étais trop deg et je me suis dit bon, il faut pas que j'abandonne quand même, mais c'était dur mentalement. Et de temps en temps, je mettais des coups à gauche, Leaf, il mettait des coups à droite et on se regardait un peu. Ouais, on se regardait en souriant. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et au final, on a continué à fond et on a réussi quoi, genre. De toute façon, bon, vous verrez les rediffs, Kenny, on va en reparler, mais des matchs qui ont été incroyables. Vous allez voir les runs Valheim, des deux côtés, vous avez été horrible, vraiment, tellement de misplays, c'est vraiment la finale, les doigts qui collent, les mains qui tremblent. Mais vous ça allez fait voir mal, les... mais c'est très vrai. Mais vous allez voir, mais vous allez voir les deux côtés, vraiment, c'était d'une dinguerie. C'est ce qui nous a fait trop peur, ouais. Parce qu'à un moment, Leaf nous regarde très sérieusement, et il fait... Un petit sourire, ouais. Un grand sourire, ah ouais. On se regarde avec été fait. Non. En mode, dommage les gars, ce sera Quake. J'ai plus de voix, je suis totalement mort. Bon, très heureux, j'imagine Kenny, ça y est, la malédiction est rompue. J'en peux plus, c'est un truc de malade. Kenny top 1, est-ce que les mots t'arrivent? Enfin. Est-ce que les mots t'es débloqué, les mots vont être évolués? Je sais pas, je réalise pas, je pense je l'ai porté, mais je crois que je suis dans un rêve ATM, je sais pas. Et tout de même, 15 000 euros de cash prize quand même, il faut en parler, 15 000 euros de cash prize pour chacun, 45 000 euros. Oh là là. Un cash prize, qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent, Étoile? Le donner à mes mates. Ah ouais? Ouais, en vrai, non, on en avait parlé, mais je me dis que, je sais pas, on en parlera après. Étoile qui veut donner son cash prize, donc ce serait 7500 euros de plus pour les deux mates. J'achèterai des trucs et puis je leur achèterai. Non mais c'est à gagner aussi hein. J'achèterai des trucs genre une voiture. Ouais, 40 000. Bon, oh, c'est bon, on est plus à ça près. Oh, c'est vrai qu'Étoile il est plus, franchement est-ce qu'il est à 15 000 euros près Étoile aujourd'hui? Bon messieurs, je vais vous laisser ici, bravo encore et je suis content pour le retour en voiture qui se passera bien du coup. Voilà, ça c'est pour ma petite anecdote personnelle. Bravo encore. Je te reprends ton micro, merci. On va accueillir les casteurs pour un débrief final. Savourez bien votre trophée, vos deux trophées, puisque vous avez le trophée de la pétanque aussi. Donc bravo, la Team Cake qui sort vainqueur de ce tournoi Zilan, qui a été éprouvant, qui a duré 3 jours, qui a commencé vendredi à 20h et qui se termine aujourd'hui, dimanche, pas trop tard. Ça c'est cool pour les équipes techniques par contre. Et du coup, je vais reprendre mon casque. Moment, tu peux reprendre ton casque aussi. Et on va demander aux casteurs de rentrer, je pense, hein, pour faire un débrief global. Oh. Hop là, quel voilà. Délice. Alors que nous avons perdu l'écran. Non, c'est bon. Allez-y, asseyez-vous, mes chers casteurs. N'hésitez pas, asseyez-vous. Ah, on a perdu Antoine dans la bataille. Bon, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Alors prenez les micros chacun, normalement ils sont allumés. Damien, bonsoir. Là. Bonsoir, bonsoir. On pourra pas se le passer, les bras ne sont pas assez longs. Sont-tu on le lance, on lui, on le lance. Le lancer. Ah. Non, pas de lancer. Bon, on n'est pas là. Ah, je vais me lever, j'ai été beaucoup assis, voilà. Ouais, tu peux rester assis, il n'y a pas de problème. Micro est allumé. Bah, tout est allumé. Il oui. Faudra faire attention de pas trop parler tous en même temps. Okay. Mais bon, quelle finale? Qui veut prendre la parole en premier? Je sais pas, petit débrief rapido. Oui. Alors Xavier, tu étais à la buvette. La buvette est bonne. En fait, j'ai parié. Tu as vu la finale? Oui, j'ai vu la finale. J'ai parié sur le fait que Worms ne serait pas joué. C'est vrai que j'ai pris un petit peu d'avance. Oui, en tout cas, on retiendra surtout de cette finale le Trials, hein, bien sûr, plus que le Valheim, je pense. Tout à fait, 2 points d'écart. Ah non, incroyable, Trials, ouais, c'était vraiment la folie. Je pense que pour moi, c'est mon top moment avec le Farming Simulator de l'ADMI aussi. Ah oui. Qui était incroyable. Avec ce ballot à 200 points. À rien. Rien du tout. Trials avec le 0,2% a priori de puissance en plus pour la Team Cake. Parce ah ouais, que finalement, clairement. Il y a plus de 1000 points cumulés à 2 points d'écart, donc c'est complètement fou. C'est-à-dire que même sur les très gros tournois, c'est très rare de voir ce genre de perf. Jusqu'au bout, on y a cru et ils se sont tous tellement bien battus. C'était très agréable, Valheim, très plaisant. C'était quand même incroyable. Ouais. Moi, non, mais c'est j'ai... dingue. Oui, c'est la pression qui fait que c'était génial. Le chat, ils en pouvaient plus. J'en parlais en background, etc. J'étais là, mais c'est incroyable. C'est genre sur Trials, tu fais une run sur 1 minute et là tu fais 2 minutes 30 à la run directement. Enfin, sur une heure, il y avait une minute d'écart sur une heure de speedrun. C'est incroyable. C'était hallucinant quoi. Vous inquiétez pas, on a bientôt fini ce stream. En plus, il y a une petite surprise à la fin, donc restez jusqu'au bout. Moi, je retiens la pétanque aussi, quand même. La pétanque. Ah oui, la pétanque, avec sûr. Un public de feu en la plus. La pétanque avec le public. Pétanque, d'ailleurs, on en a très peu parlé, mais Lège, maître de la pétanque. Lège, ouais, il a l'air injouable. Hein. Il a l'air injouable. J'invite tout le monde, évidemment, à un petit tournoi sur Toulouse. Ah, let's go. Hein, je vais venir. Quand vous voulez. Je suis pas dégueulasse. Moi, je suis chaud. Petite triplette. Manu, enfin, ton avis sur cette finale. Incroyable. Incroyable. Que ce soit du côté de la pression, des joueurs, de tout le monde. C'était
kiffant à le vivre, à le caster, à le commenter, parce que je sais ce que ressent ces joueurs à chaque fois. C'est ça, joueur de LAN. À chaque fois que tu fails, tu as encore une pression énorme. J'ai raté ça, c'est peut-être à cause de moi, et ça reprend l'action. En fait, les regards, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ça, ils se regardaient. C'est beau, c'est. Ils se regardaient les deux joueurs, c'était assez fou. Bon, est-ce que vous avez passé un. Alors qu'on a vu Skyheart passer devant la caméra. Est-ce que vous avez passé un bon week-end, chers invités? Oh là là. Oui. Vous avez passé un bon week-end. Globalement. Globalement. Oui. Globalement. Il y a des jeux, moi je comprends rien. Ah, ben oui, bien sûr. Globalement, c'était très bien. Xavier, ça s'est bien passé? Outre quelques humiliations et un cachet encore trop faible, c'était plutôt des moments sympathiques où j'ai revu beaucoup de gens que j'apprécie du jeu vidéo de haut niveau. C'était top. C'était top. Surtout Battlerite. Surtout Battlerite. Voilà. On retiendra, voilà, Battlerite. Ah, oui. Ça a été mon jeu coup de cœur. Ça a été ton moment. Mon jeu coup de cœur de cette semaine. Mon jeu coup de cœur. Content d'avoir appris Farming Simulator convenablement pour les phases finales. Ça servait pour cette game. Pour voilà, cette game était incroyable. Là, il n'y a pas eu de gâchis. Et moi, j'ai super kiffé, donc juste merci à toi et à tout le monde qui a organisé cet événement, c'était incroyable, et tous les joueurs qui étaient là. Alors moi, je tiens à évidemment remercier énormément les équipes, je pense que sans eux, on ne serait rien, et on a eu beaucoup de problèmes techniques sur cette Zidane, liés aussi au pool de jeu qui était un petit peu audacieux, pique par moi-même surtout, j'avoue. Ça a été très compliqué, mais on a réussi à s'en sortir, on a réussi à finir à peu près à l'heure, donc les Michel, toujours très puissants dans le fait de savoir rebondir, gérer les moments un petit peu imprévu, gérer les joueurs aussi, il y a eu même un tournoi amateur qui a été géré en off, vous l'avez pas vu, donc plein de choses absolument exceptionnelles, même si nous de notre côté évidemment on n'est jamais satisfait, on trouve que c'était une Zidane horrible en interne, que tout a planté, qu'on est tous nuls, mais en vrai non, il faut à un moment rendre à César, donc bravo à vous les Michel, vous avez fait un taf de malade, bravo, évidemment. Bravo. Merci également aux partenaires, bien sûr il y en a une belle tripotée qui sont là, regardez-les, Société Générale, Cdiscount Gaming, Omen, Twitch, Energy Mobile, Alltech, Full Life, OVH Cloud, Maxnomic, Bouclier et Rush eSport qui va sortir du contenu Zidane d'ailleurs après en vidéo. Est-ce qu'on est bon? Je crois merci à toi. Hein. En régie, ouais, mais de rien, les gars. Bravo, Zerator. Je suis très content d'avoir retrouvé ma voix, j'avoue. J'avais l'impression que l'âge. C'est grâce à Valheim, ça. C'est Valheim. Ouais, c'est la passion de Valheim. C'est le jeu, c'est parfait. C'est la passion comme de Valheim. Miel, c'est du miel. C'est du miel. 50 minutes de miel. C'est du miel. Valheim, c'est vraiment du miel pour moi. Bon, ma seule déception, ça aurait été de ne pas avoir eu ce fameux Worms à 4h du mat. Et Farming, pas dans la draft. Et Farming, pas dans la draft, c'est vrai. Finalement, c'est une Zidane et c'est peut-être Worms qu'on aura vu le moins, je pense, ce week-end. C'est clair. Comme quoi. Ah oui, on a vu qu'une game, mais qui était très drôle. Qui était incroyable. À défaut, une fois de plus, d'être de haut niveau. Mais on a dit qu'on se donnait 5 ans. Moi, je pense qu'en 5 ans, on aura une game de Worms correct à la Zidane. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. C'est ça, exactement. Bon, merci à toutes et à tous encore une fois. On se quitte avec une petite vidéo sympathique. Et puis ensuite, c'est la fin. Bonne nuit à tous. Merci pour la Zidane. Merci à tous sur le plateau, aux équipes et à tout le reste. Ciao, bye bye. C'est la fin de cette Zidane. Yeehaw, let's go. Carl Junior qui laisse sa place. Attention. Non. Oh, attendez, le airtime. Il passe, mesdames et messieurs. Erreur est devant. Sortie de neige. Oh, la couette. Oh, ok. Ah non, my bad. Il repart en full rompige gameplay. Madulu, mesdames et messieurs, Madulu qui a plus de speed. Tout va jouer sur la fin. Madulu, Baptiste de qualifier en demi-finale. Oui. Et de pas loin, 127 millième le sépare de Aurel Thomas Mozza. Mesdames et messieurs, on arrive sur le dernier round. La transition.